Bienvenue à l'émission du Peuple Studio 210, dernier numéro de ce mois de janvier. Tout de suite, piqûre d'histoire. Et puisque le jingle piqûre d'histoire ne vient pas, nous allons dire que le retour des Afro-descendants sur le continent noir est depuis le siècle dernier, chaque jour et un peu plus, une réalité. Mais les plus avertis, ceux qui sont au courant du contenu des prophéties de Simon Kimbangu, ne s'en étonnent pas. Ce retour a été annoncé. Et surtout, la renaissance du peuple noir, de son continent et de sa civilisation. Civilisation au cœur de laquelle se met en pôle position le royaume, le peuple et la civilisation Congo. Alors, Kimoya Akwala Makutambuku, théologienne, chercheur en histoire et civilisation Congo, artiste, chanteur, je n'ai pas envie de dire chanteuse, auteur d'une abondante publication, d'abondante littérature sur les Congos, signée en 2021, le tome 1 de Apprendre le Kikongo, langue mère, à partir d'une autre langue Congo, le Kikami ou Tikam de Guadeloupe. Un essai de 253 pages. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous nous venez de Guadeloupe, vous habitez là-bas, c'est bien cela? Non, je ne viens pas de Ah, Guadeloupe. d'accord. Okay. Vous venez d'où? Je suis congolaise. Oui, c'est vrai, vous êtes congolaise, oui. Mais vous ne résidez pas au Congo. Non, Voilà. non, non, je réside en France pour l'instant, D'accord. mais j'ai bien l'intention de rentrer au pays, comme beaucoup. Je vais régulièrement en Guadeloupe. Ah, d'accord, ok. Et Vous enfin avez... dans la Caraïbe, et en Martinique aussi. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on a votre livre ici, cet essai, publié par Ajoupa Congo, Apprendre le Kikongo. On a cité le titre ici, Langue mère à partir d'une autre langue, Congo, le Kikami. Alors, avant d'entrer dans les langues, lorsque vous parlez de Congo, vous faites allusion à quoi? Est-ce qu'il s'agit ici d'une ethnie? Est-ce qu'il s'agit ici d'un peuple en général? Alors d'abord, Congo, c'est plus qu'un peuple, c'est un projet de société. Depuis les temps ancestraux, nos ancêtres ont mis en place le Kongolianto était là. En Kikongo, ça vient du verbe tota, rassembler, ramasser. L'empire du Congo avait vocation à rassembler des peuples. Et tous ces peuples donc se rassemblaient sous la bannière Congo. Congo, c'est notre nom. Congo ne concerne pas que les Bas-Congo, ça nous concerne tous, nous, les Bantous d'Afrique centrale et même au-delà. Congo est notre identité. Ngo veut dire le centre. Ngo veut dire le cercle. Ngo, c'est également le léopard. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et Ngo, c'est le nom du créateur. D'accord. Alors, je peux lire ici dans le livre, dans votre livre, j'ai piqué une phrase comme ça au hasard. On dit, et ça, après, ce n'est pas du hasard aussi. L'une des missions de l'ONG Ajoupa Congo, c'est de réveiller la mémoire Congo dans la Caraïbe. La mémoire Congo, c'est quoi? Alors, nombre, enfin la grande majorité des Africains, des Kamites, moi je préfère dire Kamites parce que Ok. Kama c'est notre, c'est l'Afrique, la grande majorité des Kamites déportés dans les Amériques venaient du royaume Congo. C'était des Bantous, donc des Congos, au moins 80%. Le Brésil est plein de Congos, la Guadeloupe, voilà, ce sont les Congos à 80%. 80%, enfin, entre 70 et 80%. La Martinique, un peu moins, mais en tout cas, les Congos sont partout. Voilà. Et au cœur des Congos, il y a justement le peuple Bas-Congo, qui est le gardien de la chose, le gardien de notre. Enfin, qui nous rassemble, en fait. Voilà. Les rois du Congo, c'était des Bas-Congo. Ils avaient donc vocation à rassembler tous ces peuples sous la bannière Congo. Nous sommes tous des Congos et nous parlons des langues Congo. Que nous parlions Teke, excusez-moi, que nous parlions Chiluba, que nous parlions bien sûr Kikongo, que nous parlions Vili, que nous parlions Mboshi, que nous parlions Kuyu, nous sommes des Congos. D'abord, c'est notre identité. Et vous me disiez aussi que lorsqu'on parle du royaume Congo, en réalité, les Teke, en fait, j'ai l'impression, sont inclus dans le peuple Congo, et c'est tout, c'était une armée, c'était l'armée du royaume Congo, Oui, c'est ça? alors les Tékés, on discute beaucoup autour de ça. Les Tékés, ce sont des Bas-Congo. D'ailleurs, on dit en lingala, Motekana Mokongo, Bazali, Motomoko. Vous voyez? Parce que les Tékés, les Congos, les Bas-Congo ont toujours marché ensemble. C'est des Congos.
Autant les Bakongo sont les gardiens donc de notre identité, donc le pouvoir politique, autant les Teke étaient responsables du pouvoir, enfin, ils avaient la compétence du pouvoir militaire. Nos militaires, nos armées, c'était les Teke, Bantouba Teke là, c'est-à-dire les gens qui sont placés devant. Les Teke étaient le bouclier militaire du Royaume Congo. D'accord. Alors, on va parler donc justement des langues. Vous faites cette comparaison entre la langue, le Kikongo et le Kikami. L'objectif, c'est quoi concrètement? C'est parce que la grande majorité des nègres déportés étaient des Bakongo. C'était des Congos, mais au sein de ces Congos, la grande majorité étaient des Bakongo. Et j'ai constaté que dans la langue guadeloupéenne, ou même martiniquaise, eh bien, la langue, en fait, elle est le reflet du Kikongo. C'est une langue que j'ai parlé sans l'apprendre. Je ne donnerai pas les détails ici. Mais après l'avoir parlé, je l'ai étudiée. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était du Kikongo. Vous l'avez commencé à la parler où En France. En France, d'accord. En France. Alors, quand je dis Nkosi Sikeleli Africa, c'est l'hymne panafricain. Tout mais surtout, lorsqu'on va page 248 dans votre livre, vous faites une comparaison, donc une traduction entre le Kikongo et le Kikami. Je vais ici essayer de me retrouver, voilà, je peux lire ici. Alors, si je dis, parce que vous faites une comparaison pour dire que c'est à peu près les mêmes choses, ce sont les mêmes sonorités, vous allez nous expliquer. Nzambi, Sambula et Sieto. En Kikami, on dit comment? Alors, Nzambi, c'est le nom Congo, hein, d'accord? Oui. Nzambi, Sambula, Sieto. En Kikami, c'est Nzambi, béni. Pays en nous, bénis pays en nous. Ça dépend si on est plutôt guadeloupéen ou martiniquais. Si on est martiniquais, on fait sauter le A, c'est-à-dire la particule qui introduit le complément du nom. Voilà. D'accord. Qu'on a en Kikongo. Hein. D'accord. Lorsque je dis Ouizado, en Kikami, on dit Ouvini. Ouvini. D'accord. Le Kikami, c'est quoi? Alors, en fait, c'est un néologisme que j'ai créé à partir de ce que Jean-Luc Divial a dit. Jean-Luc Divial, qui est un auteur guadeloupéen, un Congo, son nom, c'est Diviala. En fait, c'est un nom Congo, Diviala, qui a été francisé en Divial. Il a écrit un livre, Wuchikam, origine égyptienne de la langue dite créole. Et dans ce livre, il dit que la langue dite créole est une langue bantoue avec une forte base Kikongo. Wuchikam, donc il a pris Chikam, la langue égyptienne, ça c'est le nom que Bilolo a donné à la langue égyptienne, et wu, en Kikongo, wu ou vu, c'est le fait de refaire quelque chose. En Kikongo, vu là, on défait. Vu tuka, revenir. Ou wu tuka, revenir. Donc il a pris le préfixe Congo, wu, pour construire le mot wu chikam. Donc nuka wu chikam. Donc nous reparlons la langue des nègres, qui est la langue dite créole. Et moi, je peux dire chikam, mais je préfère dire kikami en comparaison avec le Kikongo. Kikongo, la langue des Congos, Kikami, la langue des nègres. Alors, page 15, dans l'avant-propos, j'ai retenu que vous citez Ama Mazana, qui dans un article a démontré que les langues africaines et leur grammaire ont forgé la langue dite créole. C'est ce que vous dites justement en ce moment. Oui, alors justement, Ama Mazana a dit que les langues africaines et leur grammaire ont forgé la langue dite créole. C'est surtout le Kikongo qui a forgé la langue du créole, tout dépend où on est, hein, mais en tout cas en Guadeloupe, Martinique et Haïti, c'est vraiment le Kikongo, même si on dit que c'est des langues à base lexicale française, le français n'est qu'un pourvoyeur de lexique, et pour cause, puisque ces pays étaient sous domination française. Mais sinon, la grammaire et toute la pensée symbolique, elle est Congo. Et c'est pourquoi d'ailleurs, enfin, dans cet ouvrage, hein, je fais la démonstration de la parenté génétique entre le Kikami, donc la langue dite créole, et le Kikongo. Alors, lorsqu'on connaît bien le Kikongo, lorsqu'on parle certainement bien aussi, où on connaît le Kikami ou le Tikam, c'est facile de comprendre, de pouvoir déchiffrer les hiéroglyphes, par exemple. C'est possible? Alors, les hiéroglyphes, oui, les hiéroglyphes sont, enfin, comment je veux dire ça? Dans nos langues, nous avons les hiéroglyphes. Mais il faut avoir les codes de lecture pour les lire. Par exemple, dans le Kikami, on a le marqueur temporel K,
Parce que nos langues marchent avec des marqueurs temporels. Quand je prends le Kikongo par exemple, Twe Kassala, Be Kassala, Loué Kassala, on a toujours K et Sala. Sala veut dire travailler et K, c'est le marqueur temporel. Donc nous travaillons ou nous commençons à travailler, vous travaillez. Vous remarquerez que c'est que le pronom personnel qui change. On a toujours le marqueur temporel. En Lingala, To Zali Kosala. Bo Zali Kosala. Bo. On a toujours Zali, 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 Zali. C'est le marqueur temporel. Le futur en Lingala, To Kosala. Bo Kosala. On a Ko comme marqueur temporel. En Kikongo, c'est Ka ou alors Ke. Par exemple, en Kikongo, Kikongo, il y a l'État. Hein, ou alors aussi d'autres marqueurs un peu plus complexes comme Na, etc. Mais c'est toujours des marqueurs temporels. Et la langue dite créole, le Kikami, fonctionne comme ça, avec des marqueurs temporels. C'est une langue Congo. En français, nous avons des terminaisons. Ce n'est pas du tout la même pensée symbolique. Donc je reviens au Ka, le Ka qu'on a en Égypte. Le Ka qui est la force vitale et que nous avons gardé en Kikongo et dans la langue dite créole. En Ka manger, nous Ka manger, nous mangeons. Ça, Jean-Luc Divial l'a montré, ça vient d'Égypte. Enfin, ça vient du, parce qu'en fait, l'Égypte, c'est égal, c'est encore les Congos. Ce sont les Congos qui ont créé l'Égypte. Ça, d'autres l'ont montré, hein. Je ne l'invente pas, d'autres l'ont montré. Il y a de la littérature là-dessus, justement. Voilà, justement, d'autres l'ont montré. Mais le cas, c'est vraiment la dimension de la force vitale. Et nos parents, quand ils ont été déportés, ils ont fait sauter tous les marqueurs temporels. Ils n'ont conservé que le cas pour le présent, parce que c'est la force vitale. Ils en avaient besoin pour survivre au cœur de l'innommable, au cœur de l'esclavage, au cœur de... Enfin, ils ont subi des choses atroces, mais le cas leur a permis de survivre. En Kikongo, quand je dis « Dumuka », sauter, mais je saute avec la force du cas. Quand je dis « Vumbuka », je me réveille avec la force du cas. Voilà, donc, en fait, nos langues, il faut apprendre à les lire. À les comprendre, à les connaître aussi. À les connaître aussi. J'aime bien lorsque vous dites la langue dite créole. J'aime bien, mais je me demande pourquoi vous le dites, vous insistez là-dessus. Parce que ça, c'est le nom que les Blancs ont donné. Voilà. Mais le nom que nous, nous donnons à cette langue, parce que c'est notre langue aussi, c'est une langue nègre, c'est le Kikami ou Chikam, c'est une langue nègre. D'accord. Vous avez cité tout à l'heure le Lingala. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est justement, est-ce que le Lingala, le Kikongo, c'est la même chose? Ce sont les mêmes racines peut-être, mais après... Est-ce que le Lingala, le Kikongo, ont des similitudes avec la langue des Juifs, on va dire l'hébreu? Question. Alors, d'abord, le Lingala émane du Kikongo. Le Lingala est une langue Congo. Beaucoup de gens disent, oui, les Bangala. Non, non, le Lingala, c'est une langue Congo, c'est notre langue. Voilà, comme le Kikongo ou comme d'autres langues Congo, comme le Kiteke, etc. Ce sont nos langues dont nous sommes fiers. Par rapport à l'hébreu, alors je suis effectivement théologienne, j'étudie, enfin je suis, on va dire, spécialiste de l'hébreu, je travaille là-dessus. L'hébreu contient du Kikongo, voilà. Et en fait, la langue hébraïque, notamment l'hébreu biblique, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est une langue bantoue, c'est du Kikongo. J'en dirai pas plus, je travaille là-dessus. Justement, c'est à dessein que je vous pose la question. Justement, je travaille là-dessus et je suis en train de démontrer justement, pas seulement la parenté typologique, mais également la parenté génétique. C'est vrai que le professeur Obenga, le professeur Chakanta Diop à l'époque, ont dit qu'il n'y avait pas il n'y avait rien à voir entre l'hébreu et puis nos langues. Mais bon, à l'époque, il n'y avait peut-être pas les éléments que nous avons, dont nous disposons aujourd'hui, parce qu'il y a toujours l'état de la recherche. Aujourd'hui, la recherche a avancé. Voilà. Et l'hébreu, d'ailleurs je n'aime pas dire hébreu parce que c'est ivrite, mais quand on prend le verbe avar, qui veut dire traverser, donc on a aïn, bet et resh, on va le retrouver, donc ceux qui traversent, hein, mais donc ceux qui marchent, mais on le retrouve également, donc le resh peut parfois se réaliser en L, le son L, et le aïn peut ne pas être prononcé. Donc ça va nous donner quelque chose comme Bet Lamed. Et si je vocalise, on peut avoir quelque chose comme Vili. Je n'irai pas plus loin. Vili. Vili. Vili aussi, c'est relié au Royaume Congo. Ben, ce sont les Vili. D'accord. Je rappelle que vous êtes auteur de Apprendre le Kikongo, langue mère à partir d'une autre langue Congo, le Kikami de Guadeloupe, acquisition des bases, méthode Kemoudi. La méthode Kemoudi, c'est quoi concrètement?
Kédiki Kongo, Kedi Kamundinga Aku, la vérité qu'on a cachée dans ta langue, ou la vérité qui a été cachée dans ta langue. Et quelle vérité? La vérité du Kikongo cachée dans la langue dite créole. C'est une méthode qui vous aide à comprendre le Kikongo, ou sinon à faire le rapport entre le Kikongo, les similitudes entre le Kikongo et le Kikami. Alors c'est une méthode qui établit la parenté génétique entre les deux langues, mais surtout elle aide nos parents de la Caraïbe à apprendre le Kikongo plus facilement à partir de leur propre langue qu'ils parlent, à partir de ce qu'ils connaissent, parce que le Kikongo est assez complexe. Et donc, c'est pour vraiment leur faciliter les choses. Donc, à partir du Kikami, on peut apprendre le Kikongo. D'accord. Et donc, la méthode Kemudi, les Congolais peuvent aussi l'utiliser pour apprendre... Oui, pour apprendre la langue dite créole. D'accord. Ça marche aussi en sens inverse. En sens inverse, d'accord. Alors, dans ce livre, j'ai lu, j'étais en coup d'œil en billet, je suis tombé sur ce que vous parliez ici du faux christianisme. Oui. C'est vrai qu'on a la fin de l'entretien, mais le faux christianisme, c'est quoi concrètement? Alors, j'ai cité le Ntinu Kongo Tuzolana qui parle du faux christianisme. C'est-à-dire que quand les Européens sont venus au royaume du Congo, le roi Nzinga Nkuvu s'est converti au christianisme. Il a pris le baptême, il a reçu un baptême le 3 mai 1491. Et à partir de, d'ailleurs, ils ont pris sa couronne, enfin bon, mais à partir de là, c'était fini pour le Congo. Parce qu'un roi est toujours là, il est établi par un pouvoir spirituel. Et à partir du moment où on fait allégeance à une autre tradition, à une religion, nous on n'a pas de religion, hein. on a une tradition. Spirituelle, voilà. Nzamim Pungutulendo, et nos Bakulu, et nos Manes, voilà. Mais notre roi, Nzinga Nkuvu, en prenant le baptême, en recevant le baptême en plus des Européens, il a tout perdu et il nous a entraînés dans ce que l'on sait aujourd'hui. Parce que tout pouvoir est d'abord spirituel. En perdant le pouvoir spirituel, d'ailleurs, Nzambim Pongu nous a tourné le dos. Il y a eu quand même 4 siècles d'esclavage et aujourd'hui, on souffre encore. Vous voyez? On souffre encore? Mais ce n'est pas fini. Les prophéties de Simon Kimbangu aussi. Elles sont en marche, mais on est quand même encore un peu dans la... C'est vrai qu'on commence à voir un petit peu le bout du tunnel, mais il y a quand même encore un peu de souffrance dont il faut se débarrasser. Mais on est quand même dans un processus où on souffre encore un petit peu. Mais, Madame Akutambogu, lorsque vous dites faux christianisme, ça sous-entend qu'il existe, il existerait un vrai christianisme. Lorsque vous dites faux, je crois qu'il y a un vrai quelque part aussi. Moi, je ne dirais pas les choses comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis dans la tradition Congo. Donc je suis dans le Kinkulu, hein, dans notre tradition ancestrale, qui reconnaît d'abord Nzambi Mpungutulendo. On l'appelle Kalunga Nzambi Mpungutulendo, Ya Kongo. Le christianisme a été reçu par un certain nombre de peuples et il a été tellement retravaillé, européanisé. Hein. Donc, quand les Portugais sont venus, ils sont arrivés avec... D'ailleurs, même quand on dit christianisme, ça ne va pas. Vous comprenez? On est déjà dans une idéologie. On peut arriver avec la foi chrétienne. Mais le christianisme, on est déjà dans une idéologie, dans une construction. Et eux sont arrivés justement avec cette idéologie occidentale. En fait, pour nous coloniser, pour nous dominer. Mais par le truchement du christianisme. Et ça ne va pas. L'un des premiers bateaux négriers dans lesquels nos parents ont été déportés s'appelait le Jésus. Ça ne va pas. D'accord, merci, je vous comprends mieux et merci pour cet essai. On rappelle, apprendre le Kikongo, langue mère à partir d'une autre langue, Congo, le Kikami ou Tsikam de Guadeloupe, c'est signé Kimoya Akwala Makutambuku. Et qu'est-ce que les langues, ce sera la dernière question, peuvent représenter pour le développement d'un pays et surtout si on parle du continent noir, donc de l'Afrique, ou de Kama, donc de ces terres kamites, en quoi les langues peuvent servir justement dans le contexte de développement? Alors, il y a un adage qui dit que la langue d'un peuple, c'est son âme. Voyez, vous et moi, nous parlons français au Congo, mais ce n'est pas normal. Vous voyez, donc c'est-à-dire que ce n'est pas normal que nous parlions français, vous et moi. Normalement, ce serait une de nos langues, Lingala, Kikongo, Teke, enfin bon, bref. Ou alors, si vous ne parlez pas ma langue maternelle, on a un interprète, vous voyez, mais dans nos langues. Ce n'est pas normal que nous parlions français, vous et moi. Rien que ça, ça devrait déjà nous... À partir du moment où, dans notre pays, nous parlons une langue qui n'est pas la nôtre, nous sommes encore colonisés.
Et on ne peut pas vraiment imaginer un développement comme ça. Nos langues vont nous permettre de nous retrouver nous-mêmes, de penser le monde à partir de nos propres langues, de notre réalité, de notre pensée symbolique, et de nous développer. On ne peut pas appréhender le développement avec une langue étrangère, avec une langue issue de la colonisation. Ce n'est pas possible. Moi, j'aime le français, c'est une belle langue. Mais je préfère, quand je suis au Congo, parler nos langues. J'aurais aimé que vous et moi, nous parlions soit en Lingala ou en Kikongo, vous voyez, qu'on échange. C'est tellement important d'affirmer notre identité. Et c'est comme ça qu'on va grandir, surtout pour nos enfants. D'accord. Surtout pour nos enfants, ils devraient apprendre les mathématiques. Dans nos langues. Dans nos langues, etc. Dans nos langues. Un message quand même pour le ministère de l'Enseignement qui vient de vous. Un petit message concernant ces langues, justement. Le ministère de l'Enseignement, c'est-à-dire pour le... Le ministère de l'Enseignement du Congo, l'enseignement préscolaire, oui. Primaire, secondaire, concernant les langues, peut-être un appel pour que les enseignements peut-être se fassent un jour dans nos langues. En tout cas, il faudrait privilégier un enseignement de langue. Le Lingala, parce que c'est une langue que tout le monde parle, donc ça nous unit, et le Kikongo, parce que c'est la première langue de l'humanité, c'est une langue scientifique. Si nous perdons le Kikongo, nous nous perdons. Même si le Kikongo d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a quelques siècles. Mais c'est la première langue. Tout est parti de Congo-Katiopa, la région des Grands Lacs. Bon, ça, le professeur Toby Gomez, qui est béninois, va l'expliquer mieux que moi. Mais il dit ceci. Les Congos sont des initiés supérieurs qui ont porté au firmament la grandeur du peuple Kamite. Le peuple Kamite, c'est l'Afrique, c'est nous. Okay. Merci beaucoup, Madame Kimoya Akwala Makutambuku. Et surtout, je suis fier de vous recevoir. C'est vrai, vous avez un combat noble, mais surtout, vous êtes la fille d'un des plus grands écrivains de notre pays, le Congo, Jean-Pierre Makutambuku. On vous dit merci d'être passé dans Studio 210. Merci. C'était Piqûre d'Histoire. Studio 210 continue. Voilà, nous y sommes, Journal des religions, avec pour premier invité le pasteur Ange Bienvenu Aluna. Et merci à tous ceux de l'Église La Vie en Jésus-Christ qui nous suivent à l'instant alors que nous parlons du chrétien et de son espérance. C'est le thème du jour, c'est le thème de ce matin tiré d'Éphésiens 4. Est-ce que l'espérance ici, c'est la foi, la fidélité et l'obéissance à Dieu? Bonjour, pasteur Aluna. Bonjour, monsieur Jazz. L'espérance, c'est, on considère l'espérance comme la foi, la fidélité, l'obéissance à Dieu? Oui. Lorsqu'on parle de l'espérance, j'aimerais d'abord faire signifier par rapport à notre verset de base. La Bible dit qu'il y a un seul corps, et il y a un seul esprit. Et comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Donc, si je suis chrétien, alors il doit avoir en moi une seule espérance. Alors, lorsqu'on parle de l'espérance, parler de mot espérance vient du mot hébreu qui veut dire bata. Et bata, ça signifie quoi? C'est avoir confiance. C'est attendre quelque chose. D'accord. Et c'est espérer. Et c'est chercher refuge. Et en grec, c'est un mot qui nous conduit sur le mot patience. Alors, lorsqu'on parle de l'espérance, Romains 8, verset 24, nous donne ce détail. Et que l'espérance concerne les biens spirituels, invisibles et futurs. Et je prends l'exemple de Tite 2, versets 1 à 13, pardon, le retour de Christ. Et 1 Corinthiens 1, 7 nous parle de sa révélation. Philippiens 3, et au 20e verset, nous parle de son avènement, c'est-à-dire nous avons pour cité céleste
Et nous avons pour cité céleste Jérusalem, qui est une cité à venir. Donc, sur cette terre des humains, je suis de passage. Et je n'aime pas à m'accrocher, à faire du mal à l'autre, combattre pour les postes, empoisonner les autres et mener une guerre fratricide sur cette terre des humains. Parce que je ne suis que du passage. Alors, d'où Éphésiens 4, 4 nous dit que si tu es chrétien, si tu as été appelé par vocation, parce que nul ne peut venir à Dieu sans que le Seigneur puisse l'appeler. Donc, si tu as été appelé et tu dois avoir une seule espérance, et c'est espérer en Christ. D'où, en bref, l'espérance du chrétien, selon titre 1, 2, et titre 2, 13, et titre 3, 7, c'est de vivre éternellement avec Dieu. Dans l'espérance. Ok, donc je suis appelé à vivre éternellement avec Dieu. C'est-à-dire, quand je vais à l'église, c'est Dieu que j'ai cru. Que même si je ne suis pas marié, même si je ne me marie pas, même si je ne travaille pas, même si je ne suis pas nommé, même si je ne suis pas qualifié quelque part, mais je ne pourrai jamais divorcer avec Dieu. Je suis appelé à vivre éternellement. Amen. 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 Ça veut dire que le chrétien a l'obligation d'espérance envers Dieu. Et donc, comme vous le dites, même lorsque rien ne va, même s'il n'a pas de boulot, même si... Même si rien ne marche. Stérilité, rien ne marche. Okay. Donc, le chrétien doit simplement prier jusqu'à la mort. Justement. Donc, une seule espérance. Donc, à quoi ça sert de vivre, de se mettre à prier, d'aller à l'église, de payer la dîme, mais de vivre dans l'extrême pauvreté, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas vivre comme ceux qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont bien. Mais oui, mais quand vous dites ceux qui ne sont pas, qui ne croient pas en Dieu, qui sont bien, c'est vous qui le dites qu'ils sont bien. Ils sont bien ou quoi? Ah, pasteur, vous n'avez pas des habits déchirés ici? Mais il y a des gens, ils ont des haillons et tout ça, des habits, mais ils prient. Par contre, il regarde le voisin là-bas qui ne va pas à l'église, qui ne fait pas comme lui. Mais ce voisin-là, il est bien, il a une belle voiture, il a des enfants, etc. Mais lui, toutes ces choses-là, il en a. Oui, il a une belle voiture. Il doit rester seulement dans l'espérance. Écoutez, monsieur le journaliste, il a une belle voiture. Il roule carrosse. Il a. Mais c'est avec quel esprit? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce que nous voyons? Parce que la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On a des voitures. Vaut mieux vivre pauvre ici, et sans rien ici, et attendre le paradis. Mais c'est une question que je pose. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Parce que je me remets entre les mains du Seigneur. Et Paul dit que rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Que ce soit la famine, que ce soit les épreuves, que ce soit les calamités, tout ce qui peut se présenter. C'est facile de le dire, pasteur. Prends un exemple d'une personne... qui perd des enfants, c'est-à-dire qu'il a eu 12 enfants et tous les 12 enfants meurent. Mais lui, il espère en Dieu. Vous pensez qu'aujourd'hui, nous avons encore des gens comme des Job? Tout le monde n'a pas cette foi-là aujourd'hui. Une foi sans faille, comme Job, malgré tout ce qui peut arriver, tu restes accroché à Dieu. Alors, pour ce genre de personnes-là, comment devrait-il entretenir cette espérance? Et quel est le rôle que le pasteur, l'homme d'église, l'homme de Dieu, peut jouer pour permettre à cette personne qui vit ces difficultés-là de remonter la pente puisqu'ils ont l'espérance? Justement, voilà l'évangile que vous venez, c'est-à-dire que votre évangile-là, c'est ce qui a fait dérailler l'église aujourd'hui. Cet évangile des biens matériels, c'est ce qui a fait que l'église se retrouve dans le monde. Et le monde, nous avons retrouvé le monde dans l'église. Et c'est à cause de cet évangile. Ça, si M. Diaz était un évangéliste, alors vous allez faire dérailler le peuple de Dieu. Parce qu'en prenant le bien matériel, alors qu'est-ce qui va se passer? Ça nous conduit, selon Job 4, verset 6, à ce qu'on appelle une fausse espérance. Cette espérance qui est basée sur les biens matériels. Cette espérance. Donc, nous les pasteurs, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons recadrer notre message sur Christ. Le message doit être quadrillé sur Christ. Et ne présentons pas. La Bible dit que cherchez d'abord le royaume des cieux.
Ne présentons pas au peuple de Dieu des biens matériels. Parce que quand il viendra à l'église, il n'y a pas le mariage. Quand il viendra à l'église, il n'y a pas l'élévation. Il n'y a pas du boulot. Et on dit que Christ m'a trompé. Et justement, le problème, ce n'est pas Monsieur Diaz. Le problème, ce n'est pas ceux qui pensent comme ce que je dis ici. Le problème, c'est justement l'église aujourd'hui. Lorsqu'on va à l'église aujourd'hui, vous voyez, c'est toutes les séances de prière. On prie pour quelqu'un afin qu'il ait le visa. On prie pour quelqu'un afin qu'il ait une promotion, je ne sais pas, quelque part. C'est ça l'église aujourd'hui. L'église elle-même, elle est basée d'abord sur ce que vous appelez bien matériel, sinon sur le matériel ou la prospérité. Aujourd'hui, quand on va à l'église, on vous dit donnez 500 pour que vous soyez bénis. Mais le gars qui va donner 500, il attend quelque chose en retour. Justement, vous venez de me poser une très belle question. Et qu'est-ce que nous, les pasteurs, nous devons faire? Justement. Donc nous devons parler à l'Église, s'adresser aux chrétiens. Et quelle est notre espérance en venant ici? Et c'est recadré, parce que si le message est bien compris, alors qu'est-ce qui va se passer? Un chrétien qui espère au ciel, alors n'a pas peur du retour de Christ. Un chrétien qui espère au ciel, et même si rien ne marche, même si quelque chose ne va pas, ne quittera jamais son église. Un chrétien qui espère au ciel, peu importe les moments difficiles qu'il rencontre, n'abandonnera jamais son église. Et aujourd'hui, si nous avons les navettes des chrétiens, des églises en église, parce que nous avons mal parlé, transmis le message de Christ. Donc, c'est là où Paul nous dit, et aujourd'hui, que nous avons une seule espérance, et c'est Christ. Et le reste, lorsque nous avons ce Christ-là, tout ce que vous nous dites là, tout ce que vous venez de dire, le mariage va venir, et ça sont les avantages à cette personne qui a Christ avec lui. Donc, voilà la notion de base. Et nous avons parlé du chrétien et de son espérance. Le chrétien devait donc avoir pour modèle Job, par exemple. Beaucoup lire le livre de Job. Beaucoup lire le livre de Job. Job, c'est parmi les livres que compose c'est la Bible. C'est un grand message d'espérance. C'est un grand message d'espérance. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fait qu'il s'est accroché à Dieu et à la fin, sa vie a été restaurée. Mais sa femme, qui n'avait pas cette même espérance, qui n'avait pas la même vision, qui n'avait pas la même pensée, et lui a poussé de maudire Dieu, d'insulter Dieu. Mais Job, c'est vraiment un type de Christ également. Un modèle de Christ. Il a maintenu son cap. C'est pour nous dire que si nous pouvons nous maintenir, le diable ne pourra jamais nous corrompre. Si nous promettons, diable, maintenez votre cap à Christ, le diable ne pourra jamais vous corrompre. Vous n'allez pas dévier le chemin. Et c'est le type de chrétien que Jésus veut en ce temps de la fin. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Je rappelle que vous êtes responsable de l'église La Vie en Jésus-Christ. Mais toujours un rappel des contacts, ça fait toujours du bien au peuple. Ok, je suis au 00-242-663-71-52, 00-242-663-71-52, avec mon même numéro. Et c'est le numéro de mon WhatsApp, vous pouvez m'écrire. Et avec ce, vous pouvez cliquer également l'Église, la vie en Jésus-Christ. Vous allez avoir toutes nos coordonnées concernant nos heures de réunion. Et n'oubliez pas que chaque mardi, chaque samedi, il y a une prière en ligne que nous prions avec les bien-aimés. Alors, n'oublie pas, aujourd'hui, nous sommes pratiquement vers la fin du premier mois de l'année. N'entre pas en février sans Christ. Et reçois Christ tout de suite. Fais cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et j'abandonne à partir d'aujourd'hui les anciens maîtres que j'ai eu à servir au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous saluons aussi toute la communauté des chrétiens du peuple de Dieu qui nous suit là-bas au niveau du Bénin. Le journal des religions continue. Donc nous sommes, c'est la première partie du journal des religions. La deuxième partie se fera avec les maîtres spirituels. Et donc pour cette première partie, j'ai eu
le pasteur Ange Bienvenu à l'UNA. Et je vais maintenant parler de la reconquête. Reconquête, reconstruction, récupération, où la théorie des trois R, c'est signé le pasteur Serge Espérance Villa de l'église Montagne de Sion. Bonjour pasteur. Bonjour. Alors, on parle de la même chose. Hein. Tous les jours, on vient, on va à l'église, mais rien ne change. En gros, les pasteurs ne sont apparemment que des donneurs d'espoir. Tout à l'heure, le pasteur Ange Bienvenu à l'UNA nous a donné de l'espoir, redonné de l'espoir. On nous vend le rêve de la reconquête ou de la reconstruction tous les jours, tous les mois, toutes les années. Et là, à la fin, le 31 décembre, vous avez la reconquête, reconquête. Mais ce que vous avez dit l'année passée, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'on vit comment là? Ah là, je retrouve les polémistes. Ça fait un plaisir de retrouver le polémiste, c'est vraiment bien. Mais sachez-le que la vie, c'est un éternel recommencement. Il faut toujours recommencer. Même quand vous avez échoué, n'ayez pas peur. Prenez courage, relevez votre tête. N'acceptez pas d'être écrasé par quoi que ce soit et par qui que ce soit. Vous avez le droit d'espérer, de recadrer encore votre vie et de se relever. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Mais notre Dieu, le dernier mot, lui appartient. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Moi, je crois, je continuerai à vous enseigner la foi, vous parler de l'espérance et de l'espoir. Tout est possible avec Dieu. Alors, les trois R, reconquête, reconstruction, récupération, vous en avez parlé dimanche dernier. Le monde entier vous suit en ce moment. Pasteur Serge Espérance Villa. Combien de personnes peut pouvoir récupérer ou reconquérir ce qu'il a perdu en s'éloignant de Dieu ou en vivant des échecs? C'est-à-dire qu'il vit des échecs, il est loin de Dieu, ou bien il vit des échecs, il est déçu, ou bien il est là, mais ça ne marche pas. Mais comment reconquérir ce qu'il a perdu, ou bien comment reconstruire après beaucoup de temps d'échecs? Merci beaucoup, Monsieur Dias. C'est vraiment, je crois que nous sommes déjà dans le cœur du sujet. En réalité, la vie d'une personne, c'est un combat. Dans la vie, il y a des vicissitudes, il y a des choses pantelantes qui parfois nous hantent. Mais le plus grand problème, c'est développer en soi la foi. Donc, le premier point pour passer à la reconquête, la reconstruction et la récupération, il faut développer cette capacité de surmonter la peur. Parce que vous savez, beaucoup d'échecs sont liés par la peur. La peur d'affronter, la peur du lendemain, du devenir. On se dit, est-ce que mon futur, comment sera mon futur? Comment je vais vivre le lendemain? Souvent, nous sommes matérialistes. On regarde ce qu'on a en banque, ce qu'on a dans la poche. Et on regarde autrui. C'est-à-dire la personne qui est proche. Peut-être tu as un oncle à côté ou un grand-père. Ou quelque chose. Mais quand tu te sens seul, que tu es seul face à l'histoire, que tu n'as pas quelqu'un qui peut te mettre sa main dans la poche, te donner quelque chose, et que tu regarde, demain, tu as peut-être des enfants, tu as peut-être des charges, tu as une maison à louer, tu as quelque chose comme ça, et tu es éperdu, ébahi, anicroché, et tourbillonné par les méandres de la vie. Tu te dis, mais finalement, où est Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Oui, et c'est là faire? Où Dieu doit intervenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surmonter la peur. Comment? Surmonter la peur en développant une foi infaillible, une foi puissante. Une foi, dans mon livre, j'ai écrit un livre sur la foi agressive. Une foi qui ne recule pas, une foi qui va de l'avant, une foi qui croit aux promesses du Seigneur. Votre famille n'a point d'oreille, la foi c'est bon, mais quand tu as Dieu, faim, tu n'as pas où dormir, tu dors dans la rue. Oui. La foi, ça sert oui. à quoi? Moi, j'ai dormi sur le carton. Je suis le témoignage pour tout le monde. Dans la maison de mon père, je n'avais pas de chambre. Et je dormais sur le carton. Oh mon Dieu! Mais sachez-le, et pendant que je dormais au salon sur le carton, enfin le carton, il n'y a pas de matelas, rien du tout. Sur un carton, les anges de l'Éternel me visitaient. Et Dieu me disait, si tu me donnes ta vie et si tu crois en moi, moi le Seigneur, je travaillerai pour toi. Aujourd'hui, je ne dors plus sur le carton à cause de ces dieux-là, parce que j'ai cru en Dieu.
Je surmontais la peur. J'avais peur. Je regardais devant de moi. Est-ce qu'il y a... Je regardais dans ma famille, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait. Et dans mon milieu. Sur votre histoire, moi, je peux témoigner. Justement, c'est ça. C'est une histoire difficile. Mais je suis un exemple. J'ai surmonté la peur et j'ai développé une vision qu'on appelle la vision d'excellence. À partir de là, j'ai dit, tout doit changer. Je me confie à ce Dieu de la Bible, à ce Dieu qui peut transformer la vie, à ce Dieu qui peut changer une histoire. Vous êtes passé par là, oui. Vous êtes la personne la mieux placée, oui, pour expliquer à ceux qui sont peut-être aujourd'hui dans la même situation comment ils doivent faire, partager votre secret pour permettre à ces gens d'être dans l'espérance, mais aussi de voir la gloire de Dieu comme vous, vous la voyez aujourd'hui. Bon, je ne dirais pas que moi, non, parce que je n'aime pas trop parler de moi. Je suis entré par la grâce du Seigneur à aller doucement, doucement. C'est déjà ça, c'est déjà bon. Ouais. De là où vous êtes parti aujourd'hui, C'est un grand témoignage. D'accord. C'est même un miracle. C'est quelque chose de surnaturel. Et donc, moi, je vous partage l'expérience, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, parfois, quand nous marchions autrefois, on avait des tapettes, ce qu'on appelle le mouchon bataille. On mettait un peu les fils de fer. C'est mon histoire. Je n'ai pas honte de partager cette histoire. Mais dans mon cœur, il y avait l'espoir, il y avait l'espérance, il y avait la foi. J'avais donné ma vie à un Dieu puissant, à un Dieu capable. Et je savais, et je disais que je vais m'accrocher à ce Dieu-là. Donc le premier point que j'ai fait, et le premier secret que je vous donne, c'est s'accrocher à ce Dieu-là, et dépendre de lui. Et j'ai développé cette capacité, la totale dépendance à Dieu. Donc je dépendais à Dieu. Si vous voulez voir votre vie changer, ne regardez pas à côté, ne regardez pas peut-être autour de vous, mais regardez en face de vous, il y a un homme qu'on appelle Jésus, celui qui a changé la vie de Bartimée, celui qui a changé la vie de tant de personnes, et celui qui a changé ma vie, moi qui dormais sur le carton, bien aimé dans le Seigneur, un jour je me suis retrouvé dans un grand pays par la grâce du Seigneur, et je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que c'est moi qui est là par la grâce du Seigneur? Oui, c'est moi. Et Dieu m'a dit, n'oublie pas ce que j'ai fait pour toi. Tu n'oublieras pas. Si tu reviens, tu donnes ta vie au Seigneur correctement, en se confiant en lui, en dépendant. Vous savez, beaucoup de gens n'aiment pas dépendre de Dieu. Parfois, tu dépends, tu regardes la petite force que tu as, tu regardes la petite fortune, tu regardes les capacités. Non, dépends de Dieu, bien-aimé. Et ce secret, ça a bouleversé, ça a changé ma vie. Ce secret, ça a été la grande révolution. Oui, j'ai un livre que j'ai aussi écrit qu'on appelle la grande révolution spirituelle. Cette partie-là a révolutionné ma vie. Et vous savez, même les grandes campagnes, par la grâce du Seigneur, que j'ai eu à faire ici, mais en ce temps-là, il n'y avait rien dans ma poche. Mais tellement que je dépendais de Dieu, et chaque jour, il y avait des miracles et des prodiges que le Seigneur faisait. Donne ta vie au Seigneur. Ne te retiens pas. Ne regarde pas autrui. Confie-toi au Seigneur. Donne-toi. Rentre dans des moments vraiment d'intimité avec Dieu. En dépendant de Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une intimité avec Dieu dans des moments de retraite, de prière. Et donc, j'avais des moments où je partais sur la montagne, où je dormais même dans la forêt, où j'avais, même dans ma maison, un lieu de retraite où je cherchais Dieu. Cherchez-le. La Bible dit que si vous cherchez l'Éternel, l'Éternel se révélera à vous. Cherchez l'Éternel. Enlevez les plaintes, enlevez les murmures dans vos cœurs, enlevez les doutes, enlevez les gémissements, tournez, renversez toutes ces choses-là, renversez toutes ces données des hommes, regardez au Seigneur, développez votre foi, votre confiance en ce Dieu qui peut vous porter. Dieu peut vous porter et peut vous prendre au point zéro et peut vous amener à un point important parce qu'il est Dieu. Et je sais que ce matin, c'est pour toi que le Seigneur vraiment te parle. Parfois, tu es rétrograde, tu te dis, j'ai prié, je n'ai pas de solution, mais comment je veux faire? Mais Dieu n'existe pas, je ne veux plus à l'église. Non, ce n'est pas la solution. Merci. Il faut attendre beaucoup et revenir. Pour ce témoignage et ce que moment le Seigneur vous bénisse. De motivation, pasteur Serge Espérance Villa de l'église Montagne de Sion. Je sais que l'église Montagne de Sion siège au niveau de Mongali. Madoukou. Oui, l'Enfoi, en fait, c'est l'Enfoi, oui. C'est la rue ? La rue Gamboma. Nous sommes sur les berges de l'Enfoi, okay. Dans la rue Gamboma. Et le contact téléphonique ? Donc, mon contact, c'est le 05 uh-huh. 556 uh-huh. 02
54. On tombe sur vous-même ou bien on tombe sur la secrétaire? Bon, mais je n'ai pas ces habitudes-là. C'est parce que directement les pasteurs, sur moi. Aujourd'hui, quand vous les appelez. Ben, je n'ai pas. Je suis d'une autre école. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci au pasteur Serge Espérance Villa de nous avoir partagé son expérience et notamment les trois R, reconquête, reconstruction et récupération, c'est le thème de l'année, vous l'avez dit. Ouais. On vous dit merci que d'être passé dans Studio 210 au Journal des Religions. Studio 210 continue. La deuxième partie du Journal des Religions, c'est avec M. Saïd Ahmad, M. Balandamio et j'en oublie forcément, mais ils sont trois. Mais après le Journal des Religions, suivez question-réponse. Thomas Serge qui vous les reçoit, l'apôtre Richard Phila Sainte-Eude pour parler du vrai culte. Le vrai culte. Oui, Ed Chevry, Jazz, le vrai culte, parce qu'on ne peut jamais parler du vrai culte tant qu'il n'y aura pas du faux, parce que le vrai va toujours avec le faux, chers téléspectateurs. Bonjour, vous avez compris, c'est un sujet que l'apôtre Richard Phila Sainte-Eude est en train d'aborder pour pouvoir nous montrer quel est le vrai culte et finalement comment ces cultes qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui se comportaient et pour que nous puissions retenir un culte et un seul, c'est celui qui est le vrai, notamment le culte de la Nouvelle Alliance. Apôtre, bonjour. 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 Pour pouvoir aider nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez donc résumer, récapituler le contenu du vrai culte? Et je rappelle que vous pouvez toutefois intervenir en appelant au 06 706 32 32. Nous pouvons donc prendre vos appels et l'apôtre répondra à vos questions. L'apôtre, vous avez 3 à 4 minutes pour essayer un peu de nous replonger dans le contexte. Merci. Je vais droit au vrai sens du culte. Nous avons rappelé dernièrement Luc 1, à partir du verset 70 et jusqu'en bas, et Romains 12. Ça, c'est dans le fond. Et après, il y a les différentes expressions du culte qui restent assujetties à la culturalité de chaque époque, sinon aux cultures, aux différentes cultures de chaque époque. Et le culte est un besoin existentiel dans chaque homme, ce désir de s'adresser à Dieu, de rendre à Dieu son culte. Et chaque homme, chaque humain de tout le temps a exprimé ce besoin, mais dans l'ignorance, jusqu'à ce que vienne Jésus. Selon qu'il est écrit, le salut vient des Juifs et le vrai culte découle de la rencontre ou des différentes rencontres que Dieu a eues après le Jardin d'Éden. Il y a eu Abraham, l'objet des promesses de Dieu pour toute l'humanité, quand Dieu déploie son plan de reconquérir, de racheter l'humanité pour une nouvelle relation, une nouvelle histoire. Entre-temps, Dieu avait déployé son canevas, sa feuille de route historique que la Bible nous relate d'Adam à Abraham, d'Abraham à Moïse, de Moïse à David, etc., jusqu'à Jésus, le fils de David, qui aura et la royauté et le sacerdoce pour établir le vrai règne de Dieu qui est étroitement attaché au culte. Nous avons eu l'occasion de signifier cela. Tout ce qui se fait comme culte en dehors de Jésus qui a dit « Nul ne peut aller au Père autrement que par moi », ce n'était pas prétentieux, c'était juste la vérité. Et il est le garant, l'auteur du véritable culte. Le problème est que même dans ce que l'on appelle faussement, je dirais, le christianisme,
il y a cette problématique du culte. Donc, tout dépendra de l'angle sous lequel on voudrait aborder ce sujet du culte. Alors, je voudrais surtout m'adresser aux chrétiens et à ceux qui se veulent peuple de Dieu, citoyens du royaume de Dieu. Parce que là-dedans, dans la chrétienté, dans l'ensemble de tous les chrétiens, avec toute leur diversité, il y a beaucoup de confusion. Maintenant, si je vais sous l'angle universel ou extra-chrétien et tout ça, je peux définir de façon scientifique le culte, mais ma cible, c'est d'abord le peuple de Dieu. Et ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui n'ont pas la Bible comme base, comme constitution, je les appellerai en certains termes à croire d'abord en Jésus, qui est le seul chemin, qui est l'unique vérité, qui est la vraie vie que Dieu a redonnée à l'humanité. Et une fois que cela est fait, on peut parler du véritable culte dont les enfants de Dieu sont encore en train, dont les enfants de Dieu sont encore en train de se poser des questions en matière de culte. C'est vrai qu'on commence à recevoir déjà des appels. Mais avant que je ne prenne le premier appel, apôtre, vous voyez, ce Dieu qui est l'auteur de la diversité, parce qu'il a créé les races, il n'a pas créé une seule race, il a créé les cultures, les traditions, il a certainement voulu ou bien permis à différentes sociétés, à différentes nations de pouvoir accorder les cultes à l'exemple du culte des ancêtres. Quels sont les méfaits que vous trouvez quand quelqu'un rend un culte à ses ancêtres? Nous comprendrons cela. Nous comprendrons cela sans critiquer tout de suite. Ce serait avec compassion aussi. C'est la situation de toute l'humanité. Ça me renvoie dans Acte 17 où Paul est face aux épicuriens, aux stoïciens, aux grecs, en plein Athènes, sur l'Aréopage, où il a été convié parce qu'il parlait justement d'un autre Dieu, d'un autre culte, alors qu'à Athènes se regroupaient et les philosophes et les maîtres d'école de pensée et des différents leaders de religion. Et là, justement, on pouvait, observer toute une multitude de divinités, une pluralité de divinités. Et là-dedans, Paul eut dans son esprit de l'irritation, dit Acte 17, j'en viens tout de suite au verset 23, je vous laisse lire, le Dieu qui a 24, le Dieu qui a fait le monde et ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne la vie à tous. Ben, il a permis que les hommes le cherchent et le cherchent en tâtonnant. Donc, lorsque on voue un culte aux esprits et aux morts, on s'inscrit dans, bibliquement, je parle d'abord aux chrétiens et aux croyants de la Bible, on voue un Dieu, un culte aux esprits et puis aux morts, aux médiums. Vous êtes l'objet de la compassion de Dieu et toujours de l'amour de Dieu. On va prendre cet appel. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, Studio 210, l'apôtre vous écoute. Oui, prophète. Bon, je voulais dire, je vois dans le livre de Romains 12, verset 1, là où Paul dit, je vous exhorte, frère, d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant,
autre par une culte raisonnable. Bon, le problème, c'est le sacrifice. Lorsqu'on va à l'église, le problème, d'abord, c'est de connaître qui vous servez, qui vous adorez et qui vous adore, qui est Dieu pour toi. Le problème, d'abord, c'est de connaître qui est Dieu pour toi. C'est ça, le culte des chrétiens. Et lorsque nous ne sacrifions pas notre corps pour Christ, quel que soit ce qu'on va faire, c'est zéro devant Dieu. Merci, merci beaucoup, prophète. Donc l'apôtre, en fait, c'est beaucoup plus une contribution de la part du prophète de Pouesso. Ça prouve d'ailleurs la suffisance que l'intérêt que portent nos téléspectateurs, nos Congolais, sur les thématiques que vous abordez, et notamment le vrai culte. Ouais, merci mon frère pour la contribution. Justement, nous avons cité sans lire Romains 12, le verset 1 et le verset 2. Le vrai culte à une dimension spirituelle et morale, surtout. Je pensais, avant de revenir à ma lecture de Actes, à Luc 1 que j'ai cité, Dieu annonce un nouveau culte de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, ça veut dire de lui rendre un culte sans crainte dans d'autres versions, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et ce vrai culte, ça veut dire servir Dieu dans la nouvelle alliance, en marchant. Donc, ceux qui rendent culte, les adorateurs, les serviteurs de Dieu rendent culte en marchant. Ça veut dire quand nous marchons tous les jours de notre culte, au-delà et en dehors des cultes de dimanche, qui ne sont que l'expression de notre vie de tous les jours, la meilleure façon de rendre un culte, c'est bien marcher moralement, aimer Dieu et aimer son prochain, servir Dieu en servant l'homme. C'est le véritable culte, craindre Dieu en craignant l'autorité que Dieu a établie, familiale, politique et à tous les niveaux. Peut-on dire, c'est le vrai culte. Le reste, c'est la forme que nous voulons établir. Peut-on dire, apôtre, que finalement, le vrai culte, c'est l'expression de tous les jours, de toute minute et de tout, donc en fait, de tout sans rien dans notre existence. Oui, c'est le sens du vrai culte. Ce que Dieu a voulu rétablir, c'est en même temps l'harmonie verticale et horizontale avec Dieu et avec son prochain. L'humanité étant était assujettie à Satan moralement, spirituellement, on ne peut plus rendre ce culte vertical à Dieu parce que du point de vue horizontal les uns les autres, moralement, spirituellement, les hommes sont devenus méchants. Quand on veut plaire à Dieu, on doit plaire aux hommes. C'est le sens de la croix que nous enseignons. Il est impossible de manifester le véritable amour sans recevoir et comprendre verticalement l'amour de Dieu. Jésus est venu rétablir cette justice verticale et puis aux conséquences horizontales. Le vrai culte, dans le fond, commence par le culte vertical et aux conséquences horizontales. Il est impossible d'aimer Dieu sans aimer son prochain, s'humilier devant Dieu sans humilier vous les uns les autres. Et pour qu'on y arrive, il est question de bien comprendre la notion de la foi qui est attachée à la justice. Donc croire, ça sera compliqué pour certains, croire en Jésus-Christ par la foi, en pensant, en croyant fermement que sans la foi en la justice, je vais dire juridique et judiciaire, à cause de la séparation de l'homme d'avec Dieu. Il faut d'abord que l'homme qui est pécheur et égaré, avant qu'il devienne adorateur et qu'il serve Dieu, qu'il rende culte à Dieu, doit d'abord être justifié par la mort, le sang de Jésus. C'est le sens juridique et judiciaire du sacerdoce. Est-ce que quelqu'un peut comprendre pourquoi, même certains hommes politiques ne comprendront pas, pourquoi on appelle le président, le chef de l'État, le magistrat suprême? Il tient la magistrature suprême. Il est le premier homme de droit, le premier homme
de justice. Cela relève de la juridiction divine que Christ soit, par exemple, roi et sacrificateur. Pourquoi sacrificateur? Il y a la notion du péché, de la transgression de la loi. Il faut la justice verticale, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous montre son amour comme il a fait sur la croix. Une fois qu'on fait foi en la justice, dans la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu par Jésus, on vit par reconnaissance. Parce que Dieu nous a pardonné, on commence à pardonner les autres. Dieu nous a aimés, on commence à aimer les autres et à bien se comporter. C'est un mystère. Nous allons prendre cet appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, l'apôtre vous écoute. Oui, j'appelle. Je disais que le rendre le vrai culte. Oui, bonjour. Allez-y, on vous écoute. D'accord. Le vrai culte, c'est donner son cœur totalement à Jésus. C'est s'abandonner totalement. D'abord, il faut d'abord déposer le mal qui est en soi. Abandonner tout le chemin du péché. Ok, merci beaucoup. En fait, c'est beaucoup plus une contribution de la part de la sœur aussi, merci d'ailleurs, beaucoup, ma comme du prophète. Mais apôtre, par rapport à ce que vous venez de dire, mais n'oubliez pas que Paul dit que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je hais, c'est ce que je fais. Est-ce qu'en ce moment-là, y a-t-il pas, Paul ne présente pas quelque part le danger, sinon la difficulté que peut rencontrer une personne malgré la volonté de vouloir rendre un vrai culte à son Créateur? Et avant que vous répondiez à cette question, je prends aussi cet appel, certainement vous pouvez les prendre ensemble. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, 210, on vous écoute, posez la question à l'apôtre. Ma question, c'est la suivante. Normalement, les apôtres doivent aussi faire un effort de pouvoir bien expliquer ce que c'est que la maison de Dieu. Parce que nos vieux et vieilles pensent que l'église, là où ils vont prier, c'est la maison de Dieu. Or, il va falloir qu'on leur explique que ça, ce ne sont que des maisons construites de main d'homme. Et que la vraie église, le vrai temple, c'est nous-mêmes. Donc, il va falloir que les apôtres expliquent ça pour que on change un peu. On est toujours dans l'ancienne alliance alors que nous sommes dans la seconde alliance. Les vérités doivent... Merci. Merci beaucoup. Donc, je pense que vous déroutez les fidèles quand vous ne leur expliquez pas exactement ce que c'est la maison de Dieu, l'apôtre. Vous avez la parole. Non, je suis d'accord avec vous, mon frère. Le véritable culte, c'est d'abord dans le cœur. Et la vraie maison de Dieu, c'est d'abord nous. Et la vraie église, c'est vous et moi, c'est la communion. L'église n'est pas un lieu avant tout, mais l'église, c'est une communion, c'est une famille, c'est une relation, autant d'abord verticale et horizontale. On doit vivre l'église et non seulement aller à l'église, c'est par défaut. Donc, il faut restaurer justement toutes ces définitions. Lorsqu'on comprendra qu'on est d'abord l'Église, nous sommes une communion avant d'aller au lieu de rassemblement où l'Église va s'abriter. C'est pour des raisons d'intempéries, de commodité, qu'on prend un lieu où la véritable Église, donc ceux qui partage la communion, la vie de Christ, le sang, l'esprit, la parole, la puissance du culte se retrouvent pour rendre témoignage. Et là même, quand ils se retrouvent, ils font un culte au sens liturgique ou cérémoniel. Mais ce n'est pas tout le culte. Nous revenons au véritable culte. C'est marcher tous les jours dans la sanctification, dans l'amour. Et quand on parle de l'amour, du point de vue spirituel et moral, on ne peut pas vivre l'amour sans avoir la révélation verticale de l'amour. Dieu a quitté le ciel, il est venu sur la terre en forme humaine, nous l'avons appelé Jésus. Il est passé du ventre des saints, du sein de Marie, il a vécu sur la terre, il est monté
sur la croix, il a versé son sang parce qu'il nous a tellement aimés et il nous a offert gratuitement la justice, donc la justification de Dieu. Nous ne sommes plus pécheurs selon la loi, mais nous sommes justifiés. Une fois que nous comprenons cette révélation de l'amour vertical, il nous a aimés le premier. Et nous aussi, pour l'aimer, véritablement commencer à lui rendre culte, donc le servir, nous nous rappellerons qu'il a dit « Celui qui m'aime, si tu m'aimes, paie mes brebis. » Donc celui qui aime Dieu s'occupe des brebis. Toutes les personnes qui acceptent Jésus, qui viennent dans l'enclos, qui viennent à l'église, et en servant le Seigneur, on sert les frères, on sert les sœurs, et on manifeste l'amour de Dieu même en dehors de l'église et dans la société pour que cela soit véritable et rendre un culte spirituellement et moralement à Dieu. Il faut d'abord naître de nouveau. Sans ça, on ne peut pas vraiment aimer. Nous allons prendre cet appel, certainement, bien servir. Peut-être le dernier. Oui, allô, bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, l'apôtre vous écoute, studio 210, nous sommes là. Oui, c'est le maître Ferry. Donc, je voulais juste rappeler à l'apôtre que quand il choisit les thèmes comme les cultes, il doit expliquer d'abord aux gens qu'est-ce qu'on entend par un culte. Parce qu'il est question ici d'honorer d'abord, premièrement, une divinité. Alors, dans ce cas, chacun de nous doit savoir comment est-ce qu'on fait un culte. Vous voyez, donc il y a déjà les conditions qu'il faut réunir dans un culte. C'est comme une cérémonie quelconque. Ce n'est pas seulement par la foi. C'est des choses qu'il faut aligner d'abord dans un rituel. Ensuite, nous devons vouer un culte, honorer un ancêtre, honorer une divinité. C'est ça, ce n'est pas Dieu. Une divinité n'est pas seulement Dieu. Merci. Il y a des divinités qu'il faut le faire. Merci beaucoup, Jiféry. Voilà. Donc en fait... je l'ai compris. J'ai fait réponse, vous l'avez compris, donc ouais, je l'ai compris. Et justement, nous avons parlé du culte au sens liturgique, au sens cérémonial, donc dans la forme. Et pour les chrétiens, parce auxquels je m'adresse d'abord, justement pour les chrétiens, le culte de dimanche, comme nous avons ce matin, nous l'aurons. Ce n'est que symbolique. Mais je prends quand même cet appel. C'est tellement... Oui, allô, bonjour. Allez-y rapidement, l'apôtre vous écoute. En fait, c'est quoi? C'est juste une petite question pour demander à l'apôtre. Quand il parle, il doit utiliser les termes les plus simples pour permettre à tout le monde de comprendre. Je prends par exemple. Quand il dit que la relation verticale et la relation horizontale, tout le monde ne comprenne pas que veut dire relation verticale, que veut dire relation horizontale. Merci beaucoup. Merci mon frère. Alors, les gens sont assis sous les bouteilles devant les écrans. Ils doivent comprendre. Merci. Merci. Selon les termes. Merci beaucoup mon frère. Voilà donc ce voilà. Sont reproches. Je me suis servi de donc, ma main. C'est pour conclure voilà. Aussi l'apôtre. Je me suis servi même de ma main. Vertical, ça veut dire ça. J'ai dit Dieu a quitté le ciel vers la terre. Horizontal, j'ai dit ça. On ne peut pas être plus clair que ça. Donc, vertical, c'est ça. Horizontal, c'est ça. Ne nous interdisez pas de parler comme Dieu nous donne de le faire par sa grâce. Je suis persuadé que tout le monde m'a très bien compris. Alors, pour conclure, parce que je vois qu'il m'en reste très peu de temps, on n'aura pas fini. On va retenir qu'il y a un culte au sens liturgique. Là encore, il faut expliquer liturgique, au sens de la forme. Comme on va dans une église, on commence ici, on fait cela, la liturgie, la cérémonie, c'est ça le culte. Je disais que les cultes de dimanche, ou en tant que rassemblement, ne sont que des cultes symboliques. Okay? Le véritable culte, c'est tous les jours de notre vie. Vivre horizontalement les uns les autres en harmonie et cela, en justice en tant que valeur morale, cela n'est possible vraiment selon la pensée de Dieu qu'en Jésus-Christ qui a manifesté la vraie humanité et la véritable divinité. Voici l'homme
Donc, c'est quand on voit la vie de Jésus, on peut avoir une idée de comment la société devrait vivre, comment les enfants de Dieu devraient se comporter. Et nous, en tant que serviteurs sacrificateurs du vrai culte, nous devrons rendre notre culte à Dieu en marchant comme des modèles. L'apôtre. Et donc, on poursuivra. Comment peut-on faire pour pouvoir vous joindre certainement, pour pouvoir continuer la discussion ou bien avoir plus d'éclaircissement? À votre disposition au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Donc voilà, nous sommes à la fin de questions-réponses. Nous sommes discontinus et nous abordons la deuxième partie du journal des religions avec Ed Chevridias. Voilà la suite du journal de religion, journal des religions, avec Walid Ahmad. Bonjour. Et merci de revenir avec nous dans le journal des religions pour la suite du thème abordé dernièrement sur la tolérance dans l'islam avec Saïd Ahmad, le président de la communauté islamique Ahmadiyya. Et vous êtes membre de cette communauté ici au Congo. Alors, en termes de tolérance, qu'est-ce que l'islam enseigne concrètement? Y a-t-il des choses à tolérer et d'autres que les musulmans ne devraient pas tolérer? La tolérance, c'est une action, c'est une décision qu'une personne prend face à une situation. La tolérance, donc, il va décider de ne pas agir contre une persécution ou un mécontentement d'une personne. Maintenant, est-ce qu'il faut tolérer tout? Ceci sera idiot, parce que si tout était à tolérer, Dieu n'aurait pas recommandé dans la Bible comme dans le Coran, Dieu n'aurait pas révélé des lois pour punir des gens qui ont mal agi. La tolérance, c'est d'abord pour éduquer une personne. Si vous pensez que cette personne qui a fait du mal peut être éduquée par la tolérance, vous pouvez être tolérante. Mais si vous pensez que cette personne est un danger pour la société, si cette personne, si en tolérant ses actions, il va continuer à faire ses actions, vous êtes obligé de le punir. Tout comme dans les lois, les constitutions des pays, nous avons des punitions pour les gens. Et les punitions sont plus allégées pour ceux qui ne le font pas par esprit, ils le font par erreur. Et les punitions sont plus lourdes quand c'est volontaire et quand c'est habituel. Voilà pourquoi la tolérance... Quand on regarde le Coran, on regarde la Bible, je pense que c'est la même racine. On parle généralement des religions abrahamiques. Voilà, je parlais donc de la même racine. Dans la Bible, on nous dit, lorsqu'on vous gifle, c'est Jésus qui dit, Jésus, vous le connaissez dans la communauté Ahmadiyya. Lorsque Jésus dit, on vous gifle sur la joue gauche, tendez aussi la joue droite. On vous gifle sur la joue droite, tendez aussi la joue gauche. Et comment vous considérez cette philosophie de Jésus? Dans la Bible, nous n'avons pas seulement la philosophie de Jésus, nous avons aussi la philosophie de Moïse, qui dit dent pour dent, œil pour œil. Donc toutes ces deux philosophies qui sont très très contradictoires se trouvent dans le même livre. Déjà, de base, ils ne devaient pas être dans le même livre, parce que ce sont deux enseignements différents. Et quand on voit les enfants d'Israël, les deux prophètes sont venus chez les enfants d'Israël. Quand on voit les enfants d'Israël, ils ont passé différentes époques, différents états. Quand Moïse vient vers eux, c'était des esclaves, des gens démunis de tout pouvoir, des gens très humiliés, qu'ils n'avaient pas la parole, ils ne pouvaient pas défendre leurs propres droits. Voilà pourquoi, pour leur remonter le moral, pour leur donner de la force, Dieu les a commandés de se venger. Peu importe ce qu'on vous fait, il faut vous venger. Parce que ces gens avaient l'habitude de recevoir. On pouvait les tuer, on pouvait les persécuter comme on le pouvait. Ils ne répondaient pas. Ils étaient habitués à ceci.
Ils n'avaient pas de pouvoir devant Pharaon. C'est ce que Moïse, par l'aide de Dieu, est venu les faire comprendre, que si Dieu est avec vous, vous n'avez pas peur de quelqu'un. Vous ne devez pas avoir peur de quelqu'un. Vous devez riposter à tout. Mais ceci était un enseignement pour remonter la foi, le courage des Juifs. Mais, arrivé à une époque, quand les Juifs ont mis ces lois en pratique, ils sont devenus très violents. Ils ne pardonnaient plus rien, parce que leur loi le disait. Mais, comme si on le sait que cette loi n'est pas applicable pour tout. Comme je viens de le dire, on peut être tolérant sur quelque chose, mais il y a des choses qu'on ne peut pas être tolérant. On ne peut pas aussi ne pas tolérer tout. Il faut qu'on tolère quelques situations. Voilà pourquoi maintenant Dieu envoie Jésus pour ramollir les cœurs de ces Juifs qui étaient devenus très violents. Maintenant, quand on voit ces deux enseignements, que ce soit l'enseignement de œil pour œil, dent pour dent, et que ce soit l'enseignement de pardonner, peu importe ce qu'on vous fait, ces deux lois ne sont pas applicables aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ces deux enseignements sont contre la nature de l'homme. L'homme ne peut pas tout pardonner et l'homme ne peut pas aussi être violent à tout moment. Alors, tout de même, comment se fait-il que dans l'islam, c'est de plus en plus la voix des extrémistes, hein, des gens sans tolérance qui se font entendre, alors que le Messie de la communauté Ahmadiyya, que je peux aussi considérer comme le Messie de l'islam, puisque vous dites que la communauté... C'est le Messie de l'islam d'abord. D'accord. Donc, si vous le dites, tant mieux. Lui, il a eu pour mission de rassembler, pour mission d'amener un message de paix. Ça fait longtemps qu'il a accompli cette mission. Il est parti aujourd'hui, mais rien ne change. De plus en plus, on a des actes terroristes qui sont signés ou tagués islam. D'abord, je voulais finir avec les deux enseignements. Accordez-moi juste une minute pour finir avec ça. Rapidement. Maintenant, ces deux enseignements sont répétés dans le Coran aussi. Maintenant, le Coran ne le prend pas comme dans la Bible. Là où on parle de œil pour œil, dent pour dent, il faut obligatoirement se venger. Et là, on parle du pardon, il faut obligatoirement pardonner jusqu'à ce que vous allez dire à la personne qui vous persécute, persécutez-moi encore plus. Quand on vous gifle d'un côté, donner l'autre, ça veut dire encourager le mal. Ce n'est pas ça l'objectif de Dieu sur terre. Ce n'est pas d'encourager le mal. C'est d'éduquer les gens. C'est pour ça que, voyant la nature de l'homme, l'homme a la capacité de pardonner. Il y a certaines choses que l'homme peut pardonner. Par exemple, quand votre fils commet, il y a des choses qu'il commet par pitié ou par amour, vous lui pardonnez, vous l'éduquez, vous lui expliquez. Mais il y a de ces erreurs que vous lui punissez pour qu'il ne les répète plus. C'est pour ça que dans le Coran, Dieu a donné la possibilité à l'homme, Dieu a donné la possibilité aux musulmans de pardonner. Si vous avez la possibilité de pardonner, il faut pardonner. Mais si vous voyez que l'acte est très grave, vous avez la possibilité de venger aussi. D'accord. Maintenant, Dieu a déclaré dans le Coran que le pardon serait le meilleur des solutions. La prochaine question. Maintenant, concernant le Messie promis, alayhi salatu wassalam, comme prédit par le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wasallam, à la fin des temps, quand les musulmans seront déroutés. Donc cela voudrait dire que quand le Messie vient, ça veut dire que les musulmans sont déjà dans le faux. Ils ne pratiquent plus ce que le Coran leur recommande. La véritable religion. La véritable religion de l'islam. Pourquoi les musulmans ne le pratiquent plus? Si on compare les actes que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait durant son vivant, le modèle que le saint prophète était, et si on regarde ces musulmans, c'est carrément l'opposé. Si on regarde la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que M. Saïd Ahmad a bien montré la fois passée, et quand on regarde les actes que ces musulmans posent aujourd'hui, on comprend que c'est deux actes très différents. Le saint prophète qui était très tolérant, très pardonnant, et ces gens qui sont très extrémistes, ce n'est pas ça l'islam. Voilà pourquoi le Messie premier, la Sallallahu Alaihi est revenu pour réformer ces gens. Oui, est-ce que ça veut dire que son processus de réforme n'a pas marché apparemment? Cette réforme n'a pas marché, mais pourquoi dire que cette réforme n'a pas marché? Beaucoup de gens sont en train de rentrer dans la communauté musulmane Ahmadiyya. La communauté musulmane Ahmadiyya est aujourd'hui dans plus de 213 pays du monde. Et nous sommes écoutés par beaucoup de gens. La réforme, ce n'est pas aujourd'hui on commence la réforme et hop, tout le monde est réformé. Non, c'est un processus qui est à long terme. Ça ne fait qu'un siècle que la communauté a commencé. Et Inch'Allah, avec le temps, l'Ahmadiyya va plus se répandre et
réformer, éduquer les gens. J'ai peut-être la dernière question. J'ai peut-être l'impression que... en fait, pas l'impression. Vous portez un message de paix, un message d'amour lorsqu'on regarde la communauté Ahmadiyya. Mais en réalité, on constate que vous êtes rejeté de partout. On a l'impression, donc là je reviens sur ce que je disais, j'ai l'impression que vous n'avez pas de légitimité dans le Coran. Pourquoi vous êtes rejeté alors que vous parlez de paix et d'amour? Vous voyez, tout envoyé de Dieu a toujours été persécuté. Vous pouvez regarder depuis Adam jusqu'au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes ont été persécutés. Certains ont été mis dans la croix, sous la croix, certains ont été mis dans le feu, certains ont été faits sortir de leur ville. Tout le monde a été persécuté. Aucun prophète n'est resté en paix sur ce, en ce monde. Pourquoi? Parce que là où il y a la vérité, il y a toujours la persécution. Le mensonge n'a pas assez d'arguments pour contrarier la vérité que les prophètes ramènent. Ils n'ont autre moyen que de persécuter. Et ceci est un grand signe pour la véracité de ce prophète. Voyons les persécutions, voyons la contradiction qu'il a contre les gens. La majorité est contre lui. Mais à la fin, ce prophète finit par triompher et la victoire revient toujours à ce prophète. À la fin, ce prophète aura toujours plus de croyants, toujours plus de suivants que les opposants. Regardez l'exemple de Jésus. Il a été mis sur la croix par les Juifs. Mais à la fin, le christianisme a triomphé. On a plus de chrétiens que les Juifs. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été fait sortir de... il a été tellement persécuté à la Mecque qu'il a émigré à Médine. Après, les Mécois ne l'ont pas laissé en paix à Médine aussi, ils sont venus le chercher la guerre. À la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Le saint prophète, à la fin, il a conquis la Mecque. Et quand il a conquis la Mecque, il a d'abord pardonné tout le monde et il a posé l'exemple, le plus grand exemple de pardon que le monde n'ait jamais connu. En pardonnant tous ceux qui l'ont persécuté pendant 13 siècles, 13 ans plus tôt. Maintenant, pour la communauté musulmane Ahmadiyya, dire que la communauté musulmane Ahmadiyya est en train d'échouer dans ses actes, dans ses missions, c'est totalement faux. Le Messie premier, sallallahu alayhi wa sallam, était venu pour la réforme et s'il y a la persécution, c'est bel et bien pour la véracité du Messie premier, sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup, Monsieur Walid Ahmad, de la communauté islamique Ahmadiyya au Congo. Un rappel des contacts. Vous pouvez contacter la communauté au Congo au 05 555 42 18. 05 555 42 18. Merci beaucoup d'être passé dans le studio 210 et particulièrement dans ce journal de religion sur Télé Congo. À présent, nous allons parler de la gastrite. Les gastrites et de leurs conséquences avec un ritualiste phytothérapeute, en l'occurrence monsieur Auguste Balandamio de Santé Naturelle Bavery. Bonjour. Bonjour, monsieur Diaz. Toujours tiré à quatre épingles. J'ai même envie de dire à huit épingles. Comment vous allez? Non, par la grâce de Dieu. Alors, les gastrites, concrètement, expliquez-nous qu'est-ce que c'est. Vous savez, c'est l'une des pathologies où la grande partie des médecins n'arrivent pas à avoir une conclusion. Ils ont toujours une contradiction entre eux. Mais dans les normes, dans les livres, au niveau des dictionnaires scientifiques, on parle que la gastrique, c'est la mucose, c'est l'inflammation de la mucose de l'estomac. Ça, c'est leur définition. Mais il y a deux sortes de gastrique. Il y a la gastrique chronique, et il y a la gastrique aiguë. Hein, la gastrique chronique, lorsque vous l'avez à vie, et la gastrique aiguë, c'est lorsque le mal persiste. Mais qu'est-ce qui se passe dans les normes? Au niveau de la médecine moderne, les recherches jusqu'à nos jours ne sont que des hypothèses. Parce que chacun d'eux n'arrive pas à avoir un diagnostic normal. Certains, les cliniciens ont leur point de vue, les radiologues ont leur point de vue et les biologistes ont leur point de vue. C'est à ce niveau-là que nous constatons qu'au niveau de la médecine moderne, nous n'avons pas une solution en dehors des calmants. Or, la gastrique dans les normes, lorsque vous avez l'appareil digestif, dans l'appareil digestif, il y a le petit intestin, l'intestin grêle et le gros intestin. Au niveau du coagulum, là où les deux viennent se croiser, c'est là où il y a dysfonctionnement. Le dysfonctionnement, c'est que lorsque le duodenum, l'estomac finit le travail, ça passe au duodenum,
le Dieu de nous envoie à l'intestin grêle. Le rôle de l'intestin grêle, c'est d'envoyer les matières fécales au gros intestin. Arrivé à ce niveau-là, il y a dysfonctionnement. Au lieu de donner les matières fécales, il lui donne plus de paix et de l'eau. À ce niveau-là, le gros intestin est rempli de paix et de l'eau qui viendra créer un autre dysfonctionnement au niveau du rectum et l'anus. Là, vous allez parler de la constipation et de là, vous aurez les hémorroïdes. Donc, le dysfonctionnement qui se fait entre le rectum au niveau du coagume, le petit intestin, l'intestin grêle et le gros intestin est rempli de gaz. Les gaz étouffés dans le gros intestin font un retour dans le petit intestin. Uh-huh. Et quand tu fais un retour dans le petit intestin, l'intestin commence à bourdonner. Vous sentez des bourdonnements. Uh-huh. Et quand vous sentez des bourdonnements, ces bourdonnements, étant donné que l'intestin grêle mesure 7 mètres de longueur, donc dans ces 7 mètres de longueur, il peut créer dans les bourdonnements, les colons peuvent s'accrocher. Et lorsque les colons du petit intestin grêle s'accrochent, c'est là où nous allons parler de la colopathie fonctionnelle. D'accord. Maintenant, ce gaz-là, ces paix-là, qui remonte, dès qu'il dépasse, il remonte au Dieu de Noum. Quand il arrive au Dieu de Noum, il y a une branche qui prend le pancréas. Donc, c'est ce paix-là qui remonte jusqu'à l'estomac, jusqu'à créer la mauvaise haleine qui devient la gastrite. Ça devient sous forme d'un acide qui vient brûler certaines parois. Et donc, quand on ne soigne pas, il n'y a pas de traitement, ça devient chronique. Ça, oui, ça reste un peu comme on dit à vie. Oui, quand on ne soigne pas, ça devient chronique. Alors, comment, lorsqu'on sent ces symptômes-là, lorsqu'on se sent dans ce mal-être-là, lorsqu'on vit ces gastrites-là, quelle solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, la première solution, c'est de se retrouver au niveau de la médecine moderne. Mmh. Vous allez faire une échographie abdominale. Dès que vous allez faire une échographie abdominale, on vous dit que vous avez beaucoup de paix, beaucoup de gaz dans votre estomac. Mettez-vous maintenant dans la tête que la gastrique est déjà assise. Parce que c'est cette gastrique, quand elle est assise, qui viendra détruire beaucoup, qui viendra vous amener beaucoup de pathologies. Donc, pour découvrir la gastrique, dès que vous sentez beaucoup de paix, allez d'abord faire une échographie. Alors, vous proposez l'échographie. Est-ce que dans ces circonstances-là, on ne fait pas aussi l'examen, on n'examine pas les selles? Oh non, les examens de sel n'ont rien à voir avec l'examen de sel. Et donc, justement, le traitement dans ce contexte? Donc, quand on arrive à ce niveau... Au niveau de la médecine? Au niveau de la médecine... Traditionnelle, chez vous, le traitement? Non, que ce soit au niveau de la médecine moderne, on vous donne un traitement qui peut vous aider. Mais pour aller dans le vrai sens de ce traitement, ce serait difficile parce que au niveau de la médecine moderne, quand vous allez en Europe, au Maroc, vous n'aurez pas de soucis. Justement, voilà pourquoi je vais directement en disant... Au niveau de la médecine traditionnelle, quel traitement proposez-vous concrètement pour régler cette question? Pour régler cette situation de la gastrique, la personne doit passer par la personne qui connaît. Et en ce moment, vous avez un traitement de 4 semaines. Donc la première partie, c'est que les deux intestins où il y a eu dysfonctionnement doivent se retrouver dans les normes. Il faut les rétablir. Il faut les rétablir. Restaurer. Donc la deuxième... c'est de faire le nettoyage du tube digestif. La troisième, c'est les douleurs qu'il laisse au niveau du bassin qui détruit le système de reproduction. Mmh. Et la quatrième, c'est réactualiser le système qui a été détruit. Quand le système de reproduction est détruit, comme vous dites, est-ce que c'est possible de restaurer, de récupérer, comme disait un pasteur ici, d'arranger ça? Oui, mais tout justement, c'est lorsque vous prenez votre traitement au sérieux, dans le circuit des 4 étapes de traitement, vous retrouvez votre vie normale. D'accord. C'est à ce niveau-là. D'accord. Merci beaucoup, M. Balandamio. Et vous dites que donc, les gastrites là, peuvent causer des hémorroïdes. Et en ce moment, lorsqu'on vit des crises hémorroïdaires, c'est le même traitement ou bien il y a un autre, vous ajoutez un traitement qu'on a dû pour régler les hémorroïdes? Non, vous savez, j'ai dit ceci. Il y a beaucoup de pathologies qui peuvent ajouter. Vous pouvez vivre des hépatites, de la cirrhose de foie, de l'estomac, de l'ulcère de l'estomac. Causé par les gastrites. Causé par la gastrite. Donc voilà pourquoi la gastrite cause beaucoup de problèmes. Donc pour arriver à avoir une solution, il faut d'abord repartir à rétablir le lien des intestins. Et gérer son alimentation. Merci beaucoup, M. Auguste Balandamio, pour nous rappeler... vos coordonnées. Oui, mais pour tous ceux qui veulent
nous rencontrer. Nous sommes à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, nous sommes tout juste à l'arrêt Lac. Le numéro, c'est le 06 913 01 55 06 913 01 55. Au niveau de Brazzaville, nous sommes à l'arrêt pharmacie de Mokondo, entre la rue Zola et la rue Ngalema. Le numéro de contact, c'est le 06 695 35 20, 06 695 35 20 et le 05 526 15 07. Alors, vous avez dit, je vais vous laisser partir, c'est vrai, mais vous avez dit que le traitement dure 4 semaines. 4 semaines. Alors, ce traitement-là, il est consisté de quoi? Est-ce que ce sont des tisanes? Est-ce que ce sont des plantes? Est-ce que ce sont des poudres? Est-ce que ce sont des comprimés? Non, ce ne sont pas des comprimés. Nous sommes à une étape où nous sommes en train de parler de des médicaments traditionnels améliorés. D'accord. Dans les médicaments traditionnels améliorés, ce sont les médicaments que vous faites vos infusions vous-même à la maison. Ah, d'accord. Vous achetez vos produits, on vous explique, on vous donne un cadre d'appui, vous faites vos infusions à la maison. Voilà ce qui se passe. Merci beaucoup, Monsieur Auguste Balandamio, de la maison en fait, Santé Naturelle Bavry. On va parler de la zombification. Non, pas de la zombification, mais plutôt de la dézombification avec le docteur Bosco Ben Youssef, guide spirituel de l'ordre, du nouvel ordre animiste. Bonjour, docteur. Vous allez bien? Ça fait peut-être une année que vous n'êtes pas passé ici. Non, effectivement. D'ailleurs, vous étiez là juste pour intervenir, mais ça fait longtemps qu'on vous a reçu. Effectivement. D'accord. C'est pour cela, c'est pour cette raison que je commence d'abord par remercier tous ceux qui ont été dézombifiés par ce puissant message qui est la zombification, que j'attire leur attention ce matin, bien sûr. C'est quoi la zombification? Rappel, pour ceux qui n'ont jamais compris. Bref, c'est tout simplement le fait qu'une personne qui suppose être normale, bien sûr, quand bien même qu'elle peut fréquenter un lieu de spiritualité, l'église, la mosquée, etc., etc., mais ignore qu'il a en lui la volonté d'autrui, c'est-à-dire pose des actes que ni son Dieu ne le lui dit de faire, ni sa femme, ni ses enfants. Exemple, ne pas construire, ne pas avoir un moyen de transport, ne pas avoir un compte en banque. Donc en simple, c'est vivre avec la volonté d'une autre personne en soi. En gros, vous dites que ceux qui sont zombifiés, c'est ceux qui vivent dans une pauvreté matérielle, si je vous résume, simplement. Ok, bon, c'est ça? Il faut encore une fois soutenir un fait qui est très grave. J'ai entendu ce matin beaucoup de choses tout autour du matériel. Le matériel n'est pas visible. Je crois que ça va choquer. Est-ce que vous savez le fait que Dieu soit éternel? La seule façon pour l'homme qui vit dans le temps de concrétiser cette déclaration, bien sûr, de ce à quoi je dis, oui, mais mon Dieu est invisible. Mais la seule façon de voir Dieu, de voir son invisibilité, c'est de l'exprimer à travers, un, je dois avoir un chez moi. Celui qui vit chez autrui ne peut pas dire Dieu est éternel, c'est impossible. Celui qui n'a pas une femme ne peut pas dire Dieu est éternel. Celui qui n'a pas des enfants ne peut pas dire Dieu est éternel. Donc, pour dire que Dieu soit éternel, il faut que j'aie des trucs qui le prouvent. Quels sont les indicateurs qui prouvent que Dieu est éternel? C'est le fait que moi, j'ai étudié et que mon temps que j'ai dépassé à l'école, suivez très bien, le temps est invisible. Les gens confondent les choses n'importe comment. Non, mais eux, ils aiment le matériel. Mais oui, mais le matériel est invisible, c'est le temps. On me paye 1 million le mois, mais c'est de 1 million des heures que moi je dépense. Alors comment je dois concrétiser le temps? Mais d'accord, c'est en le matérialisant par les œuvres physiques. D'accord. Donc nous sommes allés dans la zombification. Ah ouais. Concrètement, ah ouais, la dézombification. Ah ouais. Comment y parvenir? Qu'est-ce que vous faites pour dézombifier? Tandis que si on est zombifié, on parle de dézombification, ça veut dire que vous sortez une personne, vous délivrez une personne de la désamplification, vous le désenvoûtez. Je n'enverrai pas les gens aller à l'église. Comment vous faites? Permettez-le-moi. Allez-y. Je prends le cas, par exemple, d'une femme. Une personne qui contracte le mariage
une femme, par exemple, pour avoir été sur la montagne, n'a pas de fait si Jésus dit que les vrais adorateurs n'adoreront plus sur la montagne. Je suis étonné que les gens cherchent le mariage sur la montagne, ça n'a pas de fait. C'est déjà une malédiction quelque part. Alors, comment nous faisons? Mais nous arrivons d'abord à répondre à une question très simple, puisque les gens sur cette terre ont peur d'être responsables de leurs actes. Je n'ai pas construit, je vis chez autrui. Est-ce que c'est ma propre responsabilité? Voilà à la question de savoir, est-ce que peut-on admettre que moi, du fait que je n'ai pas construit, est-ce qu'on peut m'aider à le faire? Moi, le fait que je n'arrive pas à avoir un moyen de transport, est-ce qu'on peut m'aider à le faire? Non, mais beaucoup de gens se recroquevillent. Beaucoup de gens se camouflent derrière ce qu'on appelle par l'escalade de l'engagement. Vous proposez? Alors, nous, nous proposons, une fois, ramener d'abord les gens dans leur conscience. Le premier travail à faire, c'est que, comme dans tous les hôpitaux possibles, vous qui m'écoutez, c'est de ramener la personne d'abord à savoir, à accepter d'abord ça, à reconnaître ça. Nous sommes là dans la théorie, toujours dans la théorie. Non, pas dans la théorie. Si vous n'avez pas de maison, on n'est pas obligé de vous dire, monsieur, vous n'avez pas de maison. Si vous n'avez pas d'enfant, on n'est pas dans la théorie. Si vous n'avez pas construit, on n'est pas dans la théorie. Si vous n'avez pas de voiture. Vous leur proposez quoi? Mais le problème, c'est que les gens, d'abord, ne reconnaissent pas que lorsque moi, je n'ai pas construit, je suis envoûté. Lorsque moi, je n'ai pas une femme, un mari, je suis envoûté. Mais pourquoi les gens ont cette honte-là d'avouer ça? Or, il faut d'abord que j'arrive à enlever la honte-là dans les gens. Or, la honte-là, c'est ça qui tue. Tant que je n'arriverai pas premier, à enlever... Le premier travail, il est, à faire, c'est d'abord psychologique, certainement. Il n'est pas psychologique, il est physique. C'est de dire à même celui qui travaille que oui, vous avez votre salaire. Oui, mais vous le ramenez vous dans la réalité. Mais ce n'est pas facile que cela. D'accord. On ne revient pas dans la réalité derrière un homme qui vous dit, par exemple, de vous agenouiller. Je prends le cas, par exemple, des pauvres femmes qu'on fait maltraiter. Mais le mariage est heureux. Le travail est heureux. Avoir une maison, c'est important. Vivre chez autrui, c'est un labeur de tous les jours. Mais malheureusement, ça fait pas, ça passe sous silence. Dans les églises, on dit, à peine là, on disait, oui, et un corps, nous sommes un seul corps et un seul esprit. Mais l'esprit n'est rien sans la matière. L'église nous dit l'espérance, il faut avoir la foi, ça vient. Même si on doit vivre sans mari, sans se marier. Mais le problème depuis que nous sommes là, oui. L'église au moins vous dit, ayez la foi, priez, jeûnez, etc., allez sur la montagne. Ah ouais. Vous, vous ne proposez rien non, jusque-là. Non, nous proposons ceci. Un, on doit ramener les gens à comprendre qu'ils sont d'abord envoûtés. Deux, nous repartons dans leur famille pour retirer ce à quoi leur forme vous retirez ça esprit. Comment vous retirez il y a ça des, comment il y a des, à la télévision, on ne viendra pas ici pour non, expliquer peuple, aux gens. Le peuple veut savoir. C'est ce que je dis. Il y a des méthodes ésotériques, il y a des méthodes appropriées. Chaque famille a un trésor entre ses mains. Vous pensez que les gens vont à l'église, c'est pour chercher quoi? Chercher l'argent. Alors, je cherche l'argent, comment je vais l'avoir? Nous avons des schémas. Ces schémas ne peuvent pas être expliqués ici. Chaque famille détient un trésor énorme pour construire. D'accord. Pour que et les gens vous se marient, ça ainsi de suite. On ramène la personne à comprendre ça d'abord. Et il y a des schémas pour lui donner ça. Il faut remettre ça parce que vous ne pouvez pas quitter cette terre sans pourtant avoir construit, mon frère et ma soeur. Vous ne pouvez pas quitter cette terre en marchant à pied. On ne vous a pas donné les pieds pour faire les longues distances. On ne vous a pas donné les pieds Docteur pour Bosco ça. Ben Youssef. On vous a donné les pieds pour se reposer. Achetez les voitures. Aimez ça. Ça prouve que vous avez l'esprit. Chère dame, ce matin, je n'ai pas envie de vous parler, mais je devais le faire peut-être en 2 minutes seulement. Nous sommes à la fin aussi. Alors. Vous n'êtes pas soutiré de la terre pour vous agenouiller pour prier. C'est les hommes qui doivent prier pour le mariage et non une femme. Ne vous agenouillez plus. Si un pasteur vous le demande, refusez. Si vous avez été soutiré dans l'espace, c'est-à-dire dans les côtes, pourquoi allez-vous vous agenouiller? Laissez ceux qui sont soutirés de l'argile s'agenouiller. Il y a peu d'hommes, beaucoup de femmes. Elles sont obligées de s'agenouiller. Mais c'est parce que les pasteurs diminuent les hommes. Les hommes ne Comment sont pas enrichis dans les églises. Oh, pauvre, pauvre que vous êtes. Enfin, ce n'est pas une insulte sociale, ce n'est pas une condition sociale, mais tout simplement pour vous rappeler un fait, que lorsque j'ai ma voiture, je me sens heureux. Lorsque j'ai une femme, je me sens heureux. Paul, qui n'avait pas de femme, tant qu'il ne voyait pas Timothée, mais il ne se sentait pas heureux. Il ça, dit, ça veut dire que mon lorsque, esprit est troublé ça veut parce dire que lorsqu'on a au moins plus d'une maison, on a plus d'une femme, on est très heureux. Monsieur, quand on vit chez autrui,
Oui. Retenez le mot. Mm-hmm. Quand on vit chez autrui, on est sous une malédiction. Un homme ne doit pas mourir chez quelqu'un d'autre. Chez quelqu'un d'autre. Maintenant, en termes de femmes, une seule femme, ou bien quand on a plus de femmes. Que le mariage soit honoré de tous. C'est-à-dire, j'ai la première femme, je l'honore. J'ai la deuxième femme, je l'honore. D'accord. Il faut honorer la lorsque femme. Lorsqu'il n'y a pas d'enfant, vous pensez que c'est une malédiction? Vous ne pouvez pas mourir sans avoir un enfant, c'est impossible. Vous devrez le faire. Pourtant Jésus n'a pas eu d'enfant. Jésus n'a pas eu de L'apôtre femme. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1 et 2, il dit que du fait que moi j'ai accepté de vivre la vie de Jésus, je suis dans la tristesse. Monsieur, ne mourrez pas ici bas sur la terre triste. Je vous conseille ce matin d'être dans la joie. Seule la maison, la femme, les enfants, le véhicule, les comptes en banque vous rendront heureux. Mais si vous avez les biens matériels et que vous n'êtes pas heureux, c'est que vous êtes prêt à vous suicider. Ça venez, moi, je vais vous soutirer de là. Ça fait sourire, ça fait sourire Maître Anaël. Bon, après, je ne sais pas, il sourit parce qu'il pense, il pense comme vous. Je crois qu'il a parlé de l'importance de l'argent. Moi, je suis ici effectivement pour dire aux gens, aimez l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, vous êtes une souris. C'est très important. Vous n'avez pas, n'allez pas à l'église, on vous dit ne venez pas les poches vides. Oh, pauvres du pasteur, qui s'enrichissent sur le dos de ceux qui n'ont rien. Je n'ai pas une femme, mais je vais à l'église. Non, il faut se faire accompagner. Celui qui n'a pas de femme doit rester à la maison. Pourquoi je ne vais pas à l'église? Mais je ne vais pas à l'église parce que c'est là où vont ceux qui n'ont rien à dire. Il est écrit dans l'église, tenez-vous tranquille et sachez-le que je sois Dieu. Comment voulez-vous que là on vous dit, tenez-vous tranquille et que vous puissiez dire à Dieu, donne-moi une femme. La mosquée et l'église, c'est la même chose. Vous savez, au Xe siècle, les musulmans priaient le vendredi dans une même église et les chrétiens. Enfin, je n'ai pas le temps de venir dans la tautologie pour dire que ce soit ceux qui vont dans la mosquée. Si j'ai déjà parlé de l'église, c'est que j'ai déjà adressé aussi la prière à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Mali, les musulmans qui souffrent. Merci beaucoup à Surprise qui nous suit depuis Dolisi. Merci à Osgalen Oyono, président du fan club Sud 210 niveau de Pointe-Noire. Dany Von Loubaki, président du fan club Studio 210 à Brazzaville. Merveille Moukiama, Bess, Junior Bess, qui nous suit du côté de Pointe-Noire. Et en France, ils sont là-bas. Jem Akonzo Obambi et Didi Pina Silas. On n'oublie pas, celle qui est ici, la parisienne, qui est à Brazzaville en ce moment, on l'appelle Zita Bax, Judith Zita. Et pour elle, on va suivre, pour ces gens-là, et pour tout le peuple du Sud 210, on va suivre cette interview à l'issue d'une conférence organisée hier, quelque part dans Brazzaville. Il s'agissait à l'occasion du 30e anniversaire de la chorale Abbé François Wamba. Et hier samedi, autour de la conférence, ils ont parlé de la vie et de l'œuvre de l'Abbé Wamba, dont, en fait, qui a donné son nom à leur chorale, suivant cet extrait, cette interview. La chorale Abbé François Wamba, justement, est dans son année jubilée de 30 ans, parce que 30 années d'existence, ça vaut le coup de le marquer d'une pierre blanche, comme on le dit. Et c'était donc l'occasion de revisiter, comme vous l'avez vu, son œuvre, une œuvre immense, musical, liturgique, justement qui puisait sa source de la Bible, la parole de Dieu, pour mieux parler aux hommes de son temps, pour mieux parler justement des problèmes de la société, des problèmes de l'homme, mais surtout pour faire germer cette espérance qui permet d'avancer. Mais aussi la vie d'un homme de foi, un prêtre convaincu et plein de convictions, qui a transmis son savoir, sa foi, qui a transmis le Christ à des milliers de fidèles. C'est ce que nous pouvons dire et retenir de cet événement que nous avons organisé pour justement commémorer ce 38e anniversaire de la chorale Abbé François. Voilà, merci beaucoup. Donc vous aurez le reportage dans la prochaine édition du journal de religion, le temps pour Dr Benzouko Ben Youssef de rappeler ses contacts. Bon, merci beaucoup parce qu'il est question ici de ce à quoi l'homme est venu sur cette terre, c'est-à-dire avoir une femme, avoir un chez-soi, avoir un moyen de transport, avoir un compte en banque et se marier.
Nous pensons que tous ceux qui sont touchés par la situation qui les dérange, je suis disposé au 06 603 90 09. 06 603 90 09 et au 05 349 68 22. 05 349 68 22. Au très haut, fais à ce que ce matin, ceux qui ne se sont pas mariés, ceux qui, dans le mar, ne leur dit absolument plus rien, ceux qui, la voiture ne leur dit absolument plus rien, ni moins l'argent, du fait qu'ils se sont engagés devant le pasteur, devant l'imam, à être pauvres, envoie-les chez moi. Je vais tout simplement les ramener à la raison. C'était le journal beaucoup. De religion, juste après le jingle journal de religion. Vous allez suivre, l'entretien. L'entretien donc, entre Anissé Etomba et le vénérable maître Anaël Moussa Kanda dans Aréam. La religion peut-elle contribuer à l'évolution de l'humanité? La spiritualité est-elle universelle ou propre à chaque peuple? Et la magie, d'où vient-elle et à quoi sert-elle? C'est autour de ces interrogations que nous allons échanger avec Maître Anaël Moussa Kanda, guide spirituel de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux sous le thème « Religion, Kabbale et spiritualité africaine ». Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bonjour, Maître Anaël. Bonjour, mon cher frère Anissé. Alors, Maître Anaël, comment définissez-vous ces trois concepts ? Religion, Kabbale et spiritualité. Bien, mais merci beaucoup. Il va falloir d'abord que vous compreniez que très souvent, le commun des mortels a du mal à faire la différence entre ces trois concepts fondamentaux. D'abord, la religion vient d'un mot latin qu'on appelle religare, qui signifie relier l'homme à Dieu. Donc le but, en réalité, fondamental de la religion, ou de toute religion, c'était de relier l'homme à Dieu. Mais malheureusement, dans la pratique de l'art religieuse ou de la religion, au lieu de relier l'humain à Dieu, les religieuses ont fait éloigner l'homme de Dieu par leur façon de faire. Donc, dans la religion, il y a beaucoup plus le côté dogmatique des choses qui a fait en sorte que l'homme, aujourd'hui, est privé du divin. Et l'homme, le religieux pense être en harmonie avec Dieu. Il le croit, c'est juste un système de croyance qui lui fait croire qu'il est avec Dieu, mais il ne peut pas expérimenter le divin au-dedans de lui parce qu'il ne connaît pas les mécanismes qui peuvent lui permettre, bien entendu, ici, de rentrer directement en relation avec le divin. Et donc, la religion, au lieu donc de relier l'homme à Dieu, la religion n'a fait qu'éloigner les hommes de Dieu. Et c'est ça qui est crière avec la religion. Et c'est pourquoi d'ailleurs, Karl Marx pouvait avoir raison lorsqu'il disait que la religion, c'est l'opium du peuple. Mais il ne faut pas confondre la religion avec la spiritualité. Le besoin spirituel, c'est un besoin qui est normal, qui est naturel. Nous avons tous ressenti ce besoin. Il n'y a pas un peuple à travers l'humanité qui n'a jamais ressenti ce besoin de communion avec le monde spirituel, qui est le monde invisible. Sauf que la méthode ou la façon de pouvoir relier les humains vers l'invisible, et cette mécanisme qui permet de se relier avec le divin a été faussé par les religions, qui évidemment n'avaient pas l'expérience de l'invisible. C'est pourquoi dans toute religion, en réalité, vous aurez deux côtés. Vous avez l'aspect ouvert qu'on appelle l'exotérisme de la religion, c'est-à-dire le côté ouvert de la religion, mais un côté fermé qui est caché dans chaque religion qu'on appelle l'ésotérisme religieux. Que ce soit dans l'islam, vous avez le soufisme qui est la dimension mystique de la religion islamique. Vous avez dans le christianisme également un côté gnostique qu'on appelle le gnosticisme chrétien, qui est l'ésotérisme du christianisme. Et dans toutes les religions du monde, il y a toujours deux côtés. Il y a la face ouverte, il y a la face fermée. Pour revenir à ce qui est donc de la Kabbale, c'est la dimension, si vous voulez bien, ésotérique de la tradition juive. C'est-à-dire quand on voit le judaïsme, son fond intérieur, son fond caché, son ésotérisme s'appelle la Kabbale. Donc la Kabbale, c'est l'enseignement réservé aux initiés de la tradition juive.
Et donc, en dehors, lorsque vous prenez la Bible, par exemple, vous avez l'aspect extérieur de la Bible qui est la Torah, avec les Pentateuques qui sont les cinq livres de Moïse. Ça, c'est le côté extérieur. Ça, c'est donné à la masse. Mais il y a un côté caché qui n'est pas connu de la masse. Et c'est ce côté caché qu'on retrouve dans la tradition kabbalistique. Donc la kabbale, c'est une tradition spirituelle des juifs, tradition reçue. Mais dans cette tradition reçue, quand nous rentrons dans les profondeurs de la kabbale, nous retrouvons deux livres fondamentaux. C'est-à-dire, le premier livre, c'est le Sefer Yetzira, qui est le livre de la création, qui nous explique comment l'humanité est arrivée, comment Dieu a créé l'univers, avec des principes qui sont déjà connus. Et de l'autre côté, vous avez le Zohar, qu'on appelle le livre de la splendeur magique. Donc, lorsque nous parlons de la Kabbale, il y a déjà de la magie de la Kabbale. Oui. Ça veut dire que Moïse, qui était donc le fondateur du judaïsme, si on veut dire ainsi, qui était un initié de la tradition égyptienne, n'a fait que transmettre, si vous voulez bien, chez les peuples d'Israël, oui, la tradition cachée des Égyptiens. Et cette tradition cachée des Égyptiens, c'était la spiritualité première des Égyptiens. Oui. Vous comprenez? Et lorsque nous revenons au niveau de la spiritualité maintenant, lorsque nous parlons de spiritualité, c'est tout ce qui relève de l'esprit. C'est ça qui fait la spiritualité. Ce n'est pas le fait simplement de dire je suis spirituel ou je vais à l'église. Ce n'est pas le culte d'abord. C'est la capacité d'être en communion directe avec le monde spirituel, que le monde de l'esprit, que le monde de Dieu. Or, cette capacité d'entrer en communion avec le monde de l'esprit ne peut être possible que par un principe qu'on appelle le mysticisme. C'est pourquoi le fond même de la tradition égyptienne était le mysticisme. Et si vous ne comprenez pas le mysticisme, vous ne pouvez pas comprendre la magie, vous ne pouvez pas comprendre la religion, vous ne pouvez même pas comprendre ce que c'est que la spiritualité. Donc la pierre angulaire de toutes les spiritualités du monde, de toutes les religions du monde, c'est le mysticisme. Parce que ce n'est que dans le mysticisme qu'on fait l'expérience du divin de façon pratique et opérationnelle. Ah d'accord. Mais Maître Anaël, certains pensent que ces trois concepts-là sont liés. D'autres pensent le contraire. Mais quel est votre avis ? Vous savez, si on se perd aujourd'hui dans des discussions qui n'arrivent pas, il y a des débats abrasifs, chacun essaie de donner son point de vue, mais nous avons l'histoire qui est là, il faut faire des recherches. Et nous savons tous comment l'histoire de la civilisation du monde est apparue. Et déjà, la science, on a démontré que la civilisation première, c'était la civilisation égyptienne. Mais la civilisation égyptienne était basée sur quoi? Les Égyptiens faisaient quoi? En Égypte, il n'y avait pas de religion. C'était des écoles de mystère. Voyez-vous, ce n'était pas des religions comme au sens où nous parlons. C'était des écoles de mystère, c'est parce que là, on partait pour s'instruire dans les mystères de la vie. Oui. Et dans le mystère de la vie, on étudiait dans les écoles initiatiques, qu'on appelle les écoles de mystère, on étudiait d'abord ce qu'on appelle la tradition primordiale. Par tradition primordiale, si vous voulez bien, c'est la quintessence. Quand on parle de tradition, on ne veut pas parler de coutumes. Là encore, il faut faire la différence. On ne veut pas parler des pratiques ancestrales, non. On veut parler plutôt d'une tradition qui est née du divin. C'est une révélation divine que les premiers hommes ont hérité du divin. Et cette tradition ne peut que s'être transmise que par une initiation. C'est pourquoi les Pythagore, les Thalès et tous les grands noms que nous connaissons dans la philosophie grecque sont venus puiser le savoir égyptien, la connaissance de la tradition primordiale. Dans cette tradition primordiale, c'est là que se retrouvaient toutes les techniques de l'art magique. Évidemment, on ne parlait pas ça magie comme aujourd'hui. Voyez-vous? Et donc, la magie, si vous voulez bien, est la première science à la fois spirituelle et matérielle de l'humanité. Parce que dans cette science traditionnelle magique, il y avait à la fois la métaphysique, mais il y avait aussi la physique. Il y avait à la fois l'alchimie, la dimension mystique et spirituelle de cette science, mais il y avait également la chimie moderne. Il y avait à la fois à l'intérieur l'astrologie qui est la dimension spirituelle pour pouvoir avoir la maîtrise des influences des astres, mais il y avait l'astronomie qui était son aspect physique. Et donc tout ça, ça englobait la tradition mystique ou la tradition occulte, ce que l'on appellerait plus tard la science d'Hermès. Hermès Trismégiste, on dit de Hermès le Trois-Fourgon, celui qui avait la capacité de pouvoir soumettre même la volonté des dieux. Donc on ne peut pas parler de tradition égyptienne si on ne parle pas d'hermétisme. Et on ne peut pas parler d'hermétisme si on ne parle pas de magie. Et lorsqu'on parle donc finalement de cette tradition égyptienne qui a influencé, je vais dire, toutes les civilisations du monde, jusqu'en Inde, en ce moment-là, cette tradition égyptienne reposait que sur un art et une science qu'on appelle la magie. C'est pourquoi la magie aujourd'hui, si vous voulez bien, qui à la fois est un mot qui attire et qui repousse aussi certains, mais c'est parce que les gens, évidemment, n'ont rien compris de cette science qu'on appelle la magie. Donc la tradition, mais c'est de la magie qui est née la religion. Parce que dans la religion, il faut prier. Mais la prière repose que sur deux concepts, l'invocation et l'évocation. La plupart des masses ne font qu'invoquer, mais ils ne connaissent pas évoquer. Or, dans l'évocation, c'est la capacité d'être en communion avec une entité supérieure pour communier directement avec cette entité. Ça, c'est le niveau supérieur. Mais là, la dimension inférieure de la masse, c'est donc la prière. C'est-à-dire que vous parlez seulement à un Dieu que vous ne connaissez pas, que vous n'arrivez même pas à voir ou à expérimenter. C'est normal.
C'est pourquoi quand on prie, si on veut élever la dimension de sa prière, on atteint un niveau où on a la capacité directement d'entrer en contact avec les entités. C'est ce que d'ailleurs faisait Jésus. Il pouvait communier avec Moïse, il pouvait communier avec Élie qui était ses ancêtres. Oui. Voyez-vous, cette dimension de la prière, ça c'est la dimension mystique de la prière. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Alors, donc, selon vous, la magie serait à la base de tout? Oui, le monde est né de la magie. Le monde est né de la magie. Le monde n'est qu'une œuvre. C'est pourquoi la science aujourd'hui n'arrive pas à s'entendre avec la religion, puisque la religion dit que le monde a été créé par Dieu, un Dieu qu'on ne connaît pas jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il est l'inconnu et l'inconnaissable. Mais aussi, la tradition égyptienne avait déjà posé les fondements de tout ça. Parce que dans la tradition de l'Égypte antique, qui est une tradition africaine, il ne faut pas l'oublier, on disait que le monde est né de l'océan primordial qu'on appelle le Noun. Donc Dieu n'a pas de forme. Et quand vous allez pouvoir prendre le panthéon égyptien, vous allez retrouver donc la tradition d'Isis et d'Osiris, qui est le mythe fondateur de la civilisation égyptienne. Donc vous ne pouvez pas parler de la tradition africaine, vous pouvez parler du kamitisme lorsque vous n'avez pas la maîtrise d'Isis et d'Osiris, de le mythe, de la mythologie égyptienne d'Isis et d'Osiris. Parce que dans cette mythologie, c'est là où nous regardons comment est-ce que Isis, par la magie, va ressusciter Osiris qui a été tué par son frère Kesset. Et c'est là aussi nous allons voir comment est-ce que par la magie toujours, il faut le dire, par la magie, Horus, qui sera donc le fils d'Isis et d'Osiris, va venger son père pour pouvoir contre Seth qui est la personnification du diable ou de Satan dans les religions chrétiennes. Et donc le christianisme n'a fait que copier, si vous voulez bien, la pensée égyptienne, qui est une pensée à la base africaine. Et ça, c'est une spiritualité qui a donné naissance ou a influencé tous les courants spirituels du monde. Donc, comme tout se repose sur la magie, alors la religion, selon vous, ne peut contribuer à l'évolution de l'humanité. Que cette religion soit importée ou africaine, ça ne contribue pas à l'évolution de l'humanité. Qu'est-ce que vous leur reprochez exactement? Ce qu'on reprocherait à la religion, c'est... D'abord, je ne suis pas là pour les juger, ils sont libres pour pouvoir prier parce qu'on doit être tolérant, chacun est libre. La religion, c'est que c'est basé sur des systèmes de croyances qui ont été élaborés par un certain nombre de clergés pour manipuler les masses et les peuples à des fins à la fois égoïstes et personnelles. Juste pour manipuler. Voilà, c'est une manipulation. Prenez la religion chrétienne, parce que Jésus, sauf qu'on parle de religion chrétienne, on a tendance à associer le christianisme avec Jésus. Voyez-vous la grave erreur que l'on commet? Parce que Jésus n'a rien à voir avec le christianisme. Jésus n'a rien à voir avec le christianisme. Ce n'est pas Jésus qui est venu coloniser les Noirs en Afrique. Non. Mais c'est plutôt la volonté de Constantin Ier qui, évidemment, s'est servi de la Bible et de l'enseignement de Jésus pour pouvoir assouvir son ambition d'expansionnisme. Mais Maître Naël, Jésus, nous lisons dans la Bible, a donné aux gens la possibilité d'aller évangéliser, aller partout, apporter la bonne nouvelle. Est-ce que ce ne serait pas une forme d'évangélisation que l'empereur Constantin a... Merci pour cette belle question. Le Christ est un messager divin. Et lorsqu'on est un messager divin, ça veut dire qu'on est porteur d'un message. Un message de libération, un message de salut. Voilà pourquoi il pouvait dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et donc, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur la table, c'est pour la mettre sur la table pour qu'elle éclaire toute la maison. Donc, ce n'est que normal en tant que messager divin, on peut demander à ses disciples de reprendre l'enseignement. Mais il ne s'agit pas ici d'un enseignement religieux. Parce que lui-même n'a jamais été un religieux. Sinon, en réalité, il devait se conformer au principe du sabbat, qu'il ne respectait même pas parce qu'il savait que c'était de la religion. Combien de fois il a demandé aux gens de prier pas comme les pharisiens, qui pensent qu'à force de multiplier les mots, ils seront exaucés. Quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Dieu dans le secret, et le Dieu qui est dans le secret vous répondra. Fermer les portes, c'est quoi? Mais c'est entrer en méditation, c'est fermer les sens. Voyez-vous? Et parler à Dieu qui est dans le secret, ou à l'intérieur de vous, et votre Dieu. Pas le Dieu d'Israël. Ton Dieu qui est dans le secret te répondra. De quel Dieu voulait-il parler? Voyez-vous? Et c'est ce que fait la magie. Le mage croit à son Dieu personnel, à son Dieu intérieur, ce qu'on appelle le guide intérieur. Donc le mage sait qu'on est une dualité, chacun de nous est une dualité. Et donc là, nous rentrons dans la dimension mystique de la prière. Mais lorsque vous priez à un Dieu anthropomorphique, semblable à un humain qui est assis sur un trône, je ne sais pas, un Dieu que vous ne pouvez même pas écouter, que vous ne pouvez même pas expérimenter, là, vous êtes très loin de la religion, la vraie. Et donc, voilà pourquoi le mal de la religion, c'est que la religion amène l'homme à une obéissance aveugle et le prive de sa raison. Lui empêche de pouvoir avoir le libre arbitre. Il est obligé de respecter les dogmes. Donc, sa morale est dictée par la peur et la crainte. C'est-à-dire qu'il doit faire le bien parce qu'il doit avoir peur d'aller en enfer. Si c'est comme ça, ce serait grave. Parce que le jour où il ne va plus croire en enfer, il va faire le mal. Donc, ce n'est pas une bonne méthode d'éducation des masses. L'on devait plutôt élever la compréhension des masses pour comprendre le rapport qu'il y a entre l'homme, Dieu et l'univers. Et montrer de quelle manière est-ce que par la connaissance de soi-même, comme faisaient les philosophes, la connaissance de soi nous conduit à la connaissance des dieux.
Donc si on veut connaître Dieu, il faut d'abord se connaître soi-même. Et une fois qu'on connaît soi-même, on connaît les dieux, et on connaît l'univers, on connaît les mystères de la vie, à ce moment-là, on peut manifester la magie, qui est une sagesse ancestrale. Donc par magie, il ne faut pas voir simplement les tours de magie que l'on fait. Par magie, il faut voir d'abord la sagesse primordiale, la tradition primordiale, la connaissance primordiale, qu'il ne faut pas confondre avec le savoir, qui est que, parce que le savoir, c'est pas l'intelligence, on peut être intellectuel, mais ça, c'est le savoir. Mais la connaissance, c'est quelque chose qu'on expérimente. Quand il n'y a pas expérimentation, il n'y a pas connaissance. Dans la religion, il n'y a pas expérimentation. Non, on n'expérimente presque rien, puisqu'on est dans un système de croyance. Les religieux croient sans avoir expérimenté. Voyons, Maître Anaël, nous entendons les témoignages où j'ai prié, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, j'ai jeûné, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Est-ce que ce n'est pas une forme d'expérimentation? Prier, c'est normal, parce que vous savez, nous sommes des êtres divins. Oui. La langue est un organe sacré. La langue produit des vibrations. Donc c'est tout à fait normal, tu peux prier un arbre pour avoir les résultats. Tu peux prier juste le caillou, si tu mets ta foi, tu auras les résultats. Oui, tu demandes au caillou de te bénir, le caillou te bénira. Donc le problème, ce n'est pas l'objet sur lequel tu mets ta prière. Le problème, c'est que quand tu vas parler, tu vas émettre des vibrations, et ça, c'est magique. Et ces vibrations que tu vas émettre peuvent produire des résultats. Mais là, tu es dans une forme de magie primitive. Tu es encore au niveau inférieur. C'est comme les pratiques ancestrales africaines, la magie verte, où on utilise un peu les peaux d'animaux, voilà, les fétiches, par exemple. C'est une forme de magie, mais une magie primitive parce que l'opérateur va s'appuyer sur un certain nombre d'éléments pour produire le résultat. Mais ce qu'il oublie, c'est que tout est vibration. Ce qu'il oublie, c'est que le verbe qu'il va prononcer pendant les incantations aura des effets. Parce que d'abord, nous sommes avant tout des dieux potentiels. Donc c'est normal. Ça ne peut pas être étonnant. Maintenant, à un niveau supérieur, le mystique ou le mage qui a compris les principes et les lois n'a plus ce temps-là. Parce qu'il sait que dès qu'il peut se mettre en harmonie avec le monde invisible qui est au-dedans de lui, tout ce qu'il va désirer, il va l'obtenir. Et cette expérience du divin, c'est ce que faisaient donc tous les grands thaumaturges, les Jésus, les Zoroastres, les Bouddhas et tous ceux qui ont marqué l'histoire de l'humanité dans le domaine spirituel, ont expérimenté cette dimension spirituelle. Et quand on n'a pas cette dimension mystique ou spirituelle, peu importe dans quelle région on se trouve, on est encore dans le système de croyance. Donc pour vous, les religions que nous voyons actuellement, ils ont perdu le côté mystique de la chose. Bien sûr. Ils ne sont là que pour la forme, bien sûr. Le fond. Le côté mystique. Ils ont perdu le fond parce que le fond, c'est le mysticisme. Le fond, c'est le mysticisme. Quand il n'y a pas de mysticisme dans un courant religieux, mais vous êtes que dans la forme. C'est la forme. C'est comme, que ce soit dans n'importe quel système. La forme, c'est quoi? La forme, c'est comme quelqu'un qui va... L'habit ne fait pas le moine. Vous pouvez vous habiller en prêtre et cependant, vous ne connaissez pas la prêtrise. Oui. Vous comprenez? Vous pouvez vous mettre le raffia sur vous et vous présenter comme un bon féticheur, un bon ganga, mais dans le fond, vous n'avez pas la quintessence qui fait le ganga. Parce que le nganga, c'est quelqu'un qui est un mystique. Oui. Vous comprenez? Quand tu es un mystique, ça veut dire que tu connais l'invisible. Voilà pourquoi dans les traditions ancestrales anciennes, quand vous prenez comme les gens comme les Simon Kimbangu, mais c'était des mystiques. Vous prenez les Jésus, c'est des mystiques. Vous prenez les Paul, c'est des mystiques. Mm-hmm. Vous prenez les Élie, tous ces grands noms, c'est des mystiques. Mystiques pourquoi? Parce qu'ils avaient la capacité de communier directement avec l'invisible. Donc si dans votre expérience religieuse, vous n'avez pas encore les bases pour vous permettre de communier avec l'invisible, vous êtes un religieux. C'est tout. Même quand vous prétendez être un spirituel. On est spirituel que lorsqu'on a la capacité de communier directement avec l'esprit. C'est l'esprit qui vous permet de comprendre que l'univers est harmonieux et que le bien, par exemple, que je fais me reviendra. Et que le mal aussi que je fais aussi me reviendra. Voilà pourquoi le maître disait, celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée. C'est la loi karmique. Maître Anaël, nous recevons ici des maîtres qui passent à l'émission qui disent que la magie se limite à l'illusion, à l'illusionnisme. Ils font du théâtre, du spectacle, pour se nourrir. En fait, ce n'est qu'un travail naturel, il n'y a rien de profond là-dedans. C'est intéressant de me parler ainsi. Mais je crois que ces mêmes maîtres-là aussi ont enseigné la magie du ciel, la magie d'huile. Je les ai entendus enseigner la magie. Finalement, comment? Comment quelqu'un qui va nier la magie enseigne encore la magie? Vous savez, moi, je suis interprète en anglais. Je vais faire une année de doc, je suis interprète en anglais, oui. Diplômé de l'ambassade américaine. Et à l'école, souvent, j'avais des problèmes avec mes professeurs. Pourquoi? Parce qu'ils nous enseignaient l'anglais, mais ils ne connaissaient pas l'anglais. Voilà. Vous voyez? Et donc, il y a aussi des maîtres comme ça, là, qui vont enseigner la magie, mais sans connaître la magie. Et après, ils vont nier encore qu'ils ne sont pas de la magie. Vous voyez? C'est la confusion totale. Le problème de la magie, c'est que c'est quoi? Dans la magie, il y a d'abord la sagesse ancestrale, le pouvoir mystique. Oui. Sans le pouvoir mystique, il n'y a pas de magie. D'abord, les miracles n'existent pas. Tout peut expliquer. Il y a un miracle que Jésus faisait. Tout s'explique. Oui, ça peut s'expliquer. Jésus qui marche sur l'eau, il y a une explication. Sauf qu'il y a une explication pour le mystique, mais pas pour le religieux. Le religieux va dire c'est un miracle. Mais le mystique sait comment Jésus a fait pour marcher sur l'eau.
Moi, je peux t'expliquer pourquoi je suis marché sur l'eau. Parce qu'il avait la capacité de sortir hors de son corps. Oui. Quand vous êtes hors de votre corps, le corps, en ce moment-là, par la loi de la gravitation, donc le corps va la pesanteur. Oui. Donc vous avez la possibilité, quand vous allez vous mettre sur l'eau, puisque le corps n'est pas à l'intérieur, l'être intérieur s'est déplacé. Oui. Donc votre corps va flotter. Donc vous avez l'impression d'avoir Jésus marcher, mais il n'est pas dans son corps, il est hors de son corps. Mais ça, vous ne pouvez pas voir ça. Et ça nous donne la possibilité de marcher sous l'eau. Il faut quand, être un mystique voilà, pour voilà, il faut être ça. Un mystique pour le comprendre. Quand les apôtres, on va demander à Jésus de payer l'impôt, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit à Pierre, va pêcher. Et dans le poisson, tu vas prendre une pièce, tu viendras payer l'impôt. Parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà ce que fait le mage. Ce qu'a fait Jésus, c'est un tour de magie. Est-ce qu'on va dire que c'était l'illusion? Maître Naël. Mais voilà, celui qui ne peut connaître ça que celui qui est mage. Quand oui. tu es mage, la magie repose sur le secret. La force de la magie, c'est le secret. Et le secret est la méthode de la quête magique. Donc, on ne peut pas faire de la magie sans le secret. Et il n'y a que celui qui fait l'acte, qui connaît comment il a fait ça. Donc, Jésus savait pourquoi il faisait ça. Sinon, tout le monde pouvait le faire aujourd'hui. Pourquoi le faire? Donc, si l'on comprend bien, les vrais spirituels sont des mystiques. Quand on le montre au nom, le vrai spirituel, on ne peut pas être spirituel, on ne peut pas être pratiquant, on ne peut pas être nanga, on ne peut pas être féticheur, on ne peut pas être je ne sais pas quoi si on n'est pas mystique. Non, ça peut se faire. Même quand on est chef du village, il faut être mystique. C'est ça, l'esprit de l'Afrique, c'était ça. L'Afrique, c'est le mystère. Et ça, les Occidentaux le savent. Parce que quand tu incarnais le roi, le chef du village, il faut être mystique, il faut être capable de voir le monde invisible. Sinon, comment tu vas protéger le peuple contre les Ndouki, contre les sorciers? Voyez-vous, quand on parle Ngunza, mais le Ngunza, c'est qui? C'est mystique. Les vrais Ngunza, les premiers Ngunza, les Matai Mwanda, tout ce monde-là. Les Kimbango, mais c'était des mystiques. C'est parce qu'ils avaient la capacité de prendre les formes des animaux. Il pouvait se communiquer à travers l'aigle. C'est-à-dire qu'il devient un aigle, et après il vient te donner un message et il repart. Donc il a la capacité de se transformer en d'autres corps. Mais ces capacités-là, vous savez où? Les Africains ont mis ça où? Mais parce qu'on ne connaît plus les clés. On a perdu les clés. Ils ont perdu le côté mystique. Oui, on a perdu la dimension mystique des choses et on a gardé la forme. Et après on se dit Ngunza, on se dit Njobi, on ne se sait pas. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens si vous n'avez pas le mysticisme en vous. Et après, vous avez peur de ceux qui se dédoublent. Mais comment allez-vous avoir le pouvoir mystique si vous ne savez pas vous dédoubler? Sortir hors de votre corps. Je vous ai entendu citer Simon Kimbangu, donc c'était des grands mystiques. Hein. Mais c'est des mystiques. Je dis l'Afrique, c'est le mystique. Le principe spirituel de l'Afrique, c'est le mysticisme. La vraie force de l'Afrique, c'est la magie. L'Afrique, c'est la magie. Le christianisme naissant, Jésus, c'est un maître de la magie. Le plus grand des maîtres magie. C'est pourquoi si quelqu'un ne reconnaît pas Jésus, c'est parce qu'il ne connaît pas la magie. Il n'y a pas eu un maître de la magie qui a manqué du respect à Jésus. Pourquoi? Et parce qu'il savait que la magie, c'est un art et une science à la fois, avec lequel on ne peut pas s'amuser. Et ça demande des efforts et des sacrifices pour y arriver. Mais lorsqu'on ne connaît pas, vous savez, quelqu'un qui n'a pas fait de longues études, qui n'est pas allé sur le banc de l'école, si vous lui dites que ce monsieur-là a un doctorat, il s'en fout. Ça ne lui dit absolument rien. Parce qu'il ne sait pas ce que ça signifie d'avoir un doctorat. Oui. Mais celui qui a étudié, qui connaît combien c'est difficile pour être un docteur, quand vous dites que le monsieur est un docteur, il a du respect pour lui. Pourquoi? Il faut être un grand mystique pour Il faut être un grand mystique pour reconnaître qui est Jésus. Et les pasteurs qui viennent parler de Jésus ici, c'est bien de parler de Jésus. Mais le problème, ce n'est pas de parler de Jésus. Le problème, c'est d'imiter Jésus et être mystique comme Jésus. C'est ça tout le problème. Ce qu'on appelle l'imitation de Jésus. C'est ce qu'on fait sous ceux qui ont été dans l'ésotérisme chrétien. Ah ouais. Donc les mystiques, les initiés de la grande tradition spirituelle. Évidemment, c'est des pratiquants de la haute magie comme Jésus lui-même, qui était un mage. Les rois mages sont venus pourquoi? Pourquoi la naissance de Jésus, ce n'était pas les pharisiens qui étaient au courant de sa naissance? Il n'y avait que sa famille et des mages venus d'Orient. Mais qui sont les mages? C'est des grands prêtres de la magie. Ah oui. Qui sont venus assister celui qui est né de la magie aussi. Parce qu'il fallait par le pouvoir du Saint-Esprit, comme Horus d'ailleurs, qui est né de la magie. Vous voyez que ce sont les mêmes choses à faire au monde. Et là, nous, on s'embrouille lorsqu'on n'arrive pas à comprendre que la magie est le fondement de tout. Et le mysticisme est la pierre angulaire de la magie. Et c'est de la magie qu'est née la science, c'est de la magie qu'est née toutes les philosophies que nous avons aujourd'hui. C'est de la magie qu'est née même l'école. Si nous partions à l'école, c'est parce qu'on s'est inspiré des écoles de mystère de l'Égypte antique. Vous comprenez ça? Donc la magie a beaucoup contribué à l'évolution de l'humanité. Et donc la religion, dogmatique et religieuse, ne peut pas nous aider. Dans le fond, la religion nous éloigne de Dieu. Maître Naël, alors, quelle approche faites-vous de la dualité qu'il y a entre foi et science? Parce qu'à vous entendre, c'est comme si la religion empêchait les gens d'évoluer, empêchait les gens de comprendre, de poser des questions, puisqu'il y a des dogmes qui empêchent cet exercice-là. Oui, mais c'est normal parce que la religion nous prive de notre liberté.
La religion nous prive. Le problème premier de la religion, c'est de te priver de ta liberté de penser. Tu n'es pas libre de penser par toi-même parce que tu dois penser par rapport aux dogmes de ta religion. Vous comprenez? Et le problème encore de la religion, c'est que les plus grandes guerres du monde ont été des guerres religieuses. Donc la religion sème de la haine. Voyez-vous? L'intolérance religieuse. Ou encore que ma religion à moi est la meilleure que celle des autres. Dans le fond, ça fait sourire. Un vrai spirituel sait qu'il n'y a aucune religion n'est au-dessus d'une autre religion. Parce que dans le fond, nous tendons tous vers l'universalisme religieux. Plus nous nous élevons en conscience, plus on se rend compte que le monde est un. Et plus on se rend compte qu'il n'y a pas un Dieu des noirs, il n'y a pas un Dieu des blancs, il n'y a pas un Dieu des jaunes. Il n'y a que Dieu en tant que principe supérieur créateur. Et que tous nous efforçons de pouvoir expérimenter et encore nous harmoniser avec. Merci beaucoup Maître Anaël. Nous comprenons que pour Maître Anaël, la spiritualité est universelle. Elle n'est pas propre à un peuple ou à une race. La spiritualité est au-dessus de tout ceci. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Alors, je vais donner la parole à Maître Anaël. Vous pouvez présenter pour que le peuple de Dieu, ceux qui voudraient bien se rapprocher de vous. Merci. D'abord, je lance un appel vibrant à tous ceux qui s'intéressent au sens sacré, au sens spirituel, que nous avons une école de mystère qu'on appelle l'Ordre du groupe des Vertus Silencieux, dont je suis le fondateur, et qui a une très grande mission de pouvoir vous élever, enlever le voile de l'obscurité, de l'ignorance de l'homme noir comme de l'homme de façon générale. Donc, je reprends au 06 692 28 48. 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. Et les 04 473 42 20, c'est mon numéro RTL. Et nous sommes situés juste derrière la télé, rue Ibaleko 115. Merci beaucoup, Maître Anaël. Merci à vous. C'est à moi de vous remercier. Merci, peuple de Studio 1010. Nous sommes arrivés. Voilà, nous y sommes. C'est la fin de l'émission. Merci à Anissé Tomba et Maître Anaël Moussakanda. On se retrouve dimanche prochain, mais juste le temps pour nous de saluer Probre Boro qui nous suit en ce moment, Fefenga Kenny qui nous suit en ce moment, Davino, Alinda Amakelekele, Elitch du côté de Point Noir, Ronalch Matene en Caï, vous êtes nombreux à nous suivre là-bas. Merci beaucoup. Glad, je vous salue à Dolizy. Merci au peuple du Studio 210, partout où vous trouvez dans le monde. Dimanche prochain, nous reviendrons avec le face-à-face entre le docteur Renaud Boris Mbota et l'instructeur Francis Ganga de la News. Donc, sur le livre de Daniel, nous avons arrêté un moment et donc nous reprendrons avec ce face-à-face-là dimanche prochain. Nous recevons aussi Azango Demeyo dans le livre du dimanche. Il y a bien des surprises pour dimanche. Restons en contact et tout de suite, nous nous retrouvons sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Studio 210.